Eh ben salut à tous, c'est Skizo, on se retrouve en direct de Twitch. Salut Twitch, salut YouTube, comment vous allez tous? Bien, c'est la forme. On se retrouve pour Ranch Simulator. Bien sûr, un nouvel épisode, vous avez été nombreux à demander tout simplement cet épisode. Du coup aujourd'hui j'ai pas Kali, j'ai pas Gabi, les deux sont absents ce soir malheureusement. Mais par contre j'ai des viewers, j'ai des gars qui sont là sur Twitch, j'ai des gars du staff aussi, comme Dark qui joue avec nous le mercredi sur Eurotruck. Qui sont avec nous, qui sont parmi nous. Et il y a Pépé aussi qui essaye de rejoindre, mais qui a des petits problèmes de con. Mais ça devrait s'arranger dans la soirée. Du coup, je vous fais un petit récapitulatif rapidement. J'avais beaucoup de cochons. Cochons, saucisses, c'est blindax. C'est blindax. On a une petite vache laitière qui est au fond là. On voit un petit veau. Voilà, qui vient d'apparaître. Donc ça, c'est cool. Elles se sont reproduites depuis qu'on a mis le taureau. On a énormément trop de cochons. Alors quand ouais, j'ai énormément trop de cochons. Ouais, il va falloir faire le nettoyage. Merci les gars, tu lags un peu on dirait. Ouais, c'est, je sais pas pourquoi ce soir ouais, ça lag un chouille. Hein. Et t'as une autre vache qui est enceinte aussi. Et encore une autre vache enceinte, eh ben, c'est nickel, ouais. C'est ce qu'il faut. Faut qu'elle soit toute enceinte. Faut que le taureau il fasse son boulot, tu sais, faut qu'il y aille, tu sais. Du coup, on a nos petites poules qui sont là. On avait commencé à construire un ranch légèrement pour tout simplement pour les chevaux derrière, qui n'est pas tout à fait fini. Vous voyez, il manque alors le ranch, on l'avait fini, mais il manque vraiment les barrières complètes à faire avec le centre d'entraînement pour les chevaux, voilà, qui est là. On va pouvoir rajouter tout simplement qui fera le café. Il y a aussi plein de choses qu'on n'a pas vu comme les achats de ah merde, de chevaux. Et aussi apparemment on m'avait parlé de chèvres. Alors j'ai pas compris où vous avez trouvé les chèvres. Les chèvres sont pas encore disponibles. Ah ouais, parce que j'ai regardé le truc, j'ai dit putain tu peux acheter des chèvres. J'ai dit ah bon, j'ai dit comment ça tu peux acheter des chèvres. J'ai tourné un peu en solo. Des chèvres, des moutons. Ça va être marrant pour plus tard ça. Salut Scorpion, salut tout le monde. Du coup, t'as été voir en cuisine Dark? Non. Comment je suis pas allé. Comment te dire que c'est la fête à la saucisse? Hop là. Ah bah il y a tout qui est prêt en plus. Moi je vous laisse, ouais, je parlerai pas de rien. Enfin... Ok. Le fromage est presque prêt aussi. Salut, ça marche Pépé. Désolé Pépé du coup, si ça marche pas, je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Salut Scorpion, salut. Du coup on va essayer de se faire un gros camion de vente et on va regarder ce qu'on va pouvoir acheter tout simplement. Voilà, au calme. Du coup, je vais charger par vite contre, fait. Tes glaciers elles sont vides, hein. Elles sont pleines. Les glacières sont pleines là? Ouais, de porc. Ouais. Non. Si. Ah non, j'ai deux glacières vides là. C'est les glacières ici, c'est les glacières. Okay. C'est les glacières à saucisson. Sont là. Hop. Là il faut les remplir celle-là. Après bah là s'il faut rebuter un porc bah non, si elles sont remplies bah il faut faire les saucisses. Faut créer les saucisses et tout ça. Ouais. Hop, là je te fais de la place sur vite fait les étagères. Tu mets un œuf dans la saucisse hein, c'est ça hein. Un œuf, du fromage et du lait. Un œuf, du fromage et du lait, je suis trop con. Un œuf et du lait pardon. Un œuf et du lait. Ouais, okay. C'est ça. Bon, faut que j'aille chercher des œufs alors. Des œufs, ouais, parce que je crois qu'on en a plus en stock des œufs. Il en reste qu'un. Il en reste qu'un, ouais, on va pas aller loin. Pas aller loin du tout. Ouais. J'en ai trouvé que deux tout à l'heure, donc. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, écoute, moi je mets tout ça dans les glacières, je vais vendre comme ça va vider les glacières. Moi par contre, dans ma partie en solo, j'ai trop d'œufs, moi. T'as trop d'œufs? Moi je trouve que j'en ai pas beaucoup des œufs. Ouais, parce que moi, dans ma partie moi privée, j'ai fait comme toi là, t'as fait un truc. Ouais. Où je mets que des poules. Ouais. Parce que les poules elles pondent tous les jours. Ouh, merci les gars pour les deux subs. Merci beaucoup. Donc elles pondent tous les jours les œufs, les poules. D'accord. Et donc j'ai fait un poulailler avec que des œufs. Ouais. Et un poulailler avec des poules et des coques. D'accord. Ok. Et je peux te dire que le poulailler avec que des poules. Ah mais c'est blindé. Tous les jours, genre je prends une quinzaine d'œufs. Hein. D'accord. Et là, les quatre glaceurs. Ah ouais, les quatre glaceurs sont remplis de porc. Ok, d'accord. Ouais, comment te dire qu'on est blindax là? On est blindax à mort.
Après les œufs, ouais, les œufs, on verra par la suite les œufs si on, si on arrive à faire, si on arrive à faire quelque chose. Là, oui. J'ai les deux glacières qui sont blindées. J'ai du, j'ai le fromage qui est fini. J'ai tout le fromage qui est fini, donc on va pouvoir aller vendre ça et se récupérer un petit billet. Ouais. Faut que je regarde ce que Gabi avait fait, si il manque pas, manquerait peut-être du métal ou un truc comme ça là. De toute façon, il est 15h, ouais. Donc au pire, j'irai vendre que demain. On va finir la soirée là. Tranquille, hop, là-dessus. Merci en tout cas. Merci, merci pour les deux foulous. Les deux abos, pardon. Les deux subs. Salut Mip, ça fait plaisir. Bah, tu m'étonnes. Moi aussi, franchement, c'est cool. C'est cool, j'aime bien ce petit jeu. J'aime bien en multi en plus. C'est super marrant. Ouais, il est sympa. C'est vraiment marrant. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je vais pouvoir placer la glacière avec... Je suis pas capable de rejoindre. T'arrives pas à rejoindre. Pépé, t'es québécois ? Ou canadien ? Non, ça dit identifiant de session non valide. Ouais, je pense qu'il est québécois, ouais. Ouais, canadien. Parce qu'on est peut-être pas les serveurs reliés, du coup. Vu qu'on n'est pas dans dans le même pays, il y a peut-être pas le serveur relié. Peut-être. Vu que t'es côté États-Unis et nous on est en côté Europe, peut-être que les serveurs sont resserrés. C'est peut-être pour ça, tu peux pas. Salut Titi, il est vachement relaxant. Le café ? Okay. Nickel. Non, je plaisante. Mais c'est pas la première fois que j'ai de la difficulté à rejoindre quelqu'un. Ouais, bah, enfin. Là, perso, c'est ouvert, ça fonctionne. Et le pire, c'est que les serveurs, ça lag pas. C'est propre en plus. Attends, je te le mets. Hop, voilà. Tac. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais, je vais pouvoir l'empiler dessus. Là, nickel. Ouais, attends, il y a encore deux. Hein. Ouais, il y a encore deux, mais là, tu peux l'empiler. Empile les deux de par-dessus, là. J'irai mais vendre attends, après. Non, au pire, attends. Il y a le camion. Hein. Si ouais, tu veux te faire chier, il y a le camion. Pas besoin, ouais. Seul bémol, la nuit tombe trop vite. Oh, le temps. Ouais, dommage que le temps, tu peux pas le régler. Voilà. C'est le seul bémol que je dirais, c'est... Et encore, bémol c'est un grand mot. Parce que franchement ça donne du challenge, ça donne de la vie au jeu. T'es obligé d'avancer, t'es comme ça. Et non, je trouve que la nuit elle arrive un peu vite, ouais j'avoue aussi moi. T'as rien d'autre à vendre là hein. Non. Non. Là, y a non, je pense que. Non, je pense qu'il y a rien. Y a plus rien à vendre là. Il y a quelques saucisses, mais j'ai plus de glacière, donc on va reprendre, ouais. On va refaire le plein. On va refaire le plein de tout à l'heure. Ouais, il va te manquer des œufs. Il va manquer du bois là. Il va manquer des œufs, ouais, donc bah attends, tu sais quoi, laisse comme ça, laisse courir. De toute façon, il est 16h. On va. Ouais, quoi que j'ai peut-être le temps de prendre le 4x4 et aller le vendre. Peut-être le temps. Alors, que je me rappelle les touches parce que F pour allumage. C'est parti. Hop là. Et on est parti. Après, on peut faire des missions aussi. Hein. Des missions ? Ouais, il y a des missions. Sur quoi ? Où tu les trouves, tes missions ? Je te me laisserai le truc, je t'irai te montrer. Vas-y, vas-y. Vas-y, je te laisserai découvrir. Parce que tu peux avoir le... T'as pas le fusil encore, toi ? T'as que le pistolet ? Ouais, j'ai que le flingue, ouais. Ouais, c'est pour ça que vous avez galéré au début. Bah tiens, vas-y, prends le volant. Et montre-moi. Montre-moi, toi qui connais le jeu, qui l'a farmé en solo. N'hésite pas. On va le vendre déjà ça ou tu veux... On va non, ça... Ouais, on va... Ouais, là, vite fait au resto. Ouais. Comme ça, on va se débarrasser les poches. Alors, on a pour combien, là ? Une viande de porc... 3846. 3846 ? Ouais. C'est énorme ! Alors, attends. Merde, trop tard. Pas le temps. Excuse. Oh, je voulais voir. Excuse. Bah, attends, j'ai encore les prix dessus. 3846... C'est quoi qui nous a rapporté autant ? Le porc, je pense. T'as pas un bœuf de saucisse de porc ? Ouais, t'as un saucisse de porc qui est multiplié par 1,4. Ouais, donc... Bah ça, ouais, ça a fait le ménage. C'est nickel. Bah du coup, blindax, quoi. Nickel. Ouais. Pété thune, les gars. On va pouvoir s'acheter des carreras. Nickel. Ah, vas-y, ouais. Montre-nous. Apparemment, il y a des missions. On va changer ton camion par un pick-up aussi. Pas le camion, le 4x4. Le 4x4, ouais. Mais là, on a un camion. On a déjà le camion frigorifique qui est là-haut. Ouais, mais tu prends un pick-up et ça... C'est la forme. Pick-up, c'est la forme, c'est ça.
C'est mieux que le camion, je trouve. Le camion, c'est bien pour les bêtes, mais... Ouais. On fera un petit tour, on regardera. Merde. On regardera après. De toute façon, là, il y a encore beaucoup de... Il y a encore beaucoup d'argent à faire. Il y a encore énormément d'argent à faire. Merde, elle est où, la route ? Fais la mission chasseur, elle est simple à faire. Tu auras le fusil, du coup, et une balle pleine de viande. Une balle pleine de viande. J'aime bien la... J'aime bien le truc. J'aime bien, là. Ça sent bon. Bah, les ours, tu tires avec 4 balles, le pistolet. Ouais. Avec le fusil, 2 balles. D'accord. Pas mal, ça. 2 balles, bim bim. Au revoir, l'ours. Nickel. Et les biches et une balle. Mais genre, on n'avait pas fait gaffe qu'il y avait un tableau de mission, en fait. On n'avait pas fait gaffe du tout qu'il y avait un petit tableau de mission. Donc, c'est cool qu'on ait des gars qui connaissent le jeu, du coup, qui est avec nous. Comme ça, en mode, on reprend le jeu et on tryhard pour voir comment ça se passe. Et mais... C'est dans l'autre map en fait, c'est comment non, c'est comme ça que j'ai, moi en solo j'ai eu pas mal d'argent aussi. Hein. Ouais. À la place de chasser tout le temps, je faisais des missions. Hop, ici là. D'accord. Après, tu peux parler à lui là. Attends, j'arrive. Comment te dire, j'étais au café. Tu Hop parles là. À lui. Parler. Tu peux avoir des missions. Ah ouais, chasse, lapin, abattre les prédateurs. Putain, chasse. Attends, on va faire chasse. Je veux la chasse. J'ai besoin de viande de gibier. Accepté. Voilà. Ok, il en faut 8. Ok, il t'en faut 8. Il faut 8 gibiers. Attends, avant, il y a le prédateur aussi, il est bien, je crois. Bah, au pire, on peut tous les prendre, hein. De toute façon, non, tu peux en prendre que 2, je crois. Abattre les prédateurs. Voilà. On a trop d'animaux sauvages agressifs dans la région, tu pourrais abattre au moins 5 prédateurs si tu t'en occupes. Je te récompenserai en t'offrant un de mes fusils. Ok, vas-y, je prends. Voilà. Nickel. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à aller. Vas-y, un petit coup de chasse. On enquille, chef. Salut Skizo, comment ça va depuis le temps? Ça va très bien et toi? Est-ce que c'est la forme? Ah merde, c'est vrai. Hop. Ça se pourrait-tu que je sois trop avancé pour la session? Non, je pense pas, je pense que... Bah là, elle a quand même quelques heures la session, hein. On a déjà bien avancé, mais... Je pense que c'est parce qu'on est dans les serveurs décalés. Pépé, ouais, toi tu dois être sur le côté américain et moi je dois être sur le côté Europe. Et du coup les serveurs doivent pas être liés. Du coup, ça va pas fonctionner. Même quand tu trouves un habitant, tu as une mission. D'accord, ok. Comment ça va bien, Loulou? La forme? Ça fait un moment que je t'ai pas croisé, toi, Loulou. Mais moi, ça va bien. Moi, ça va très bien. Bon matin à vous, les tu maîtres. Tu m'as acheté des balles? Non, normalement, j'ai des balles. Non. On a assez. Je devrais avoir assez pour faire le ménage. On a besoin de rien, là. Va à droite, vite fait. Je voulais reprendre, parce que si on a un nettoyage de cochon à faire... On va reprendre quelques glacières vu qu'on a un peu d'argent, tu vois. On va essayer de refaire un petit stock. Bouge pas, j'achète. Ouais. Et je te laisse empiler dans le truc là. Alors attends, bouge pas. Glacière, ajoutez au panier, ça c'est sûr. Des bidons de lait parce que comment te dire que. On a acheté 5. 5 glacières, je pense. 5 glacières de plus ? Ouais, je pense, ouais. Ok. Je peux les mettre, je pense. Si je me débrouille, je peux les mettre. Bah, tu vas rigoler à les mettre là. Alors, 5 glacières. Moi, je voulais 2 bidons de lait minimum de plus parce que c'était la misère et ça, je voulais acheter 5. Ça fait déjà 1 900 €. Voilà, j'ai passé à la caisse, on a claqué tout. Là. Voilà, on a pété l'argent du peuple. Là. Oh putain. Oh, les sachets. Alors, attends, je vais juste réunir les sachets et je te laisse empiler. Hein. Ouais, ouais. Comme ça, je m'occupe de mon chat dans le même élan. Hein, je les abandonne pas, les gars. Ouais, non, t'inquiète. Je me tape les rediffs en ce moment, pas très dispo les soirs des lives. C'est chiant, mais tout va bien. Ben, pas de soucis. C'est le principal. Si tout va bien, la santé est là. Ouais. Même si tu te retapes les rediffs, ça fait plaisir de te voir nous faire un petit coucou en direct. Énormément plaisir. Grâce à toi, j'ai acheté le jeu. Tranquille. Celui-là ? Sérieux ? Ranch ? Il est bien. Hein. Et si tu veux venir avec nous en multi, tu peux. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Faut venir sur Discord et bon si t'es majeur bien sûr. Et y a pas de souci, tu peux venir avec nous sans problème. Et tu viendras jouer. On a activé l'émission. Je savais pas qu'il y avait des missions, du coup on a activé l'émission. T'inquiète, je suis venu un expert du. Hop. Ça va être sympa. Moi je me souviens que le premier ours que le patron a tué, il a pris 6 balles. Minimum. C'est bon. Il n'y a pas le clip, je crois qu'il n'est pas encore c'est le clip sur Twitch. Sur TikTok, je ne l'ai pas envoyé encore. Par contre, on n'aura peut-être pas le temps de chasser avec l'heure qui défile.
Non, ça va être juste là. Rentre à la maison direct au pire. Vas-y. Comment il va mon petit drifty qui me paye un café? Salut, salut. Est-ce que c'est la forme, putain? T'as perdu ton téléphone? Tu sais plus m'envoyer de message, toi, salope? Comment il va le petit drifty? Kikou tout le monde, salut Jim, salut, pour salut. Moi, tu devrais acheter le pick-up après, le grand pick-up, à un moment. Ouais, bah on va attendre de faire un peu plus de mailles, ouais, d'être ouais. bien confortable niveau, on va dire, rendement. Et une fois qu'on sera confortable, on achètera le pick-up. Et en bois, vous avez acheté laquelle? La petite ou la? Vous gardez celle-là avec la série là? La série, on a la série, la nouvelle là. Celle qui est super rapide là, on a la grosse là. Ouais. Ça va et toi? Bah ça va bien mon ami. Ça va bien, on est toujours là, tu vois. On est toujours au poste, fidèle au poste du moins. J'ai oublié les femmes. Hop là. Attends, bouge pas, on y va. Putain, on aura pas fait la traite de soir. Bah tu veux qu'on fasse? Ah non, vas-y, on va passer, c'est pas grave, t'sais. On va rattraper après, hop, je mets un petit coup de sauvegarde. Hop, dormir. Je vois ça. 2600 qui te fout pour le gros pick-up. 2600 dollars, ouais. J'ai pas fait gaffe si ça sauvegarde en même temps, mais je mets toujours un coup de sauvegarde. Parce que depuis qu'on a eu un rollback. Ouais, je sais, j'ai vu. Depuis qu'on a eu un coup de rollback, ça me fait peur maintenant. Par contre, la treillage électrique, je sais pas l'utiliser. Alors, la treillage électrique, c'est simple. Tu mets la vache à côté, t'appuies sur E, ça va t'étonner directement les mamelles de. Ah ouais. Directement les mamelles de la vache. Tu vois, t'as la petite treillage là sur le côté, tu la prends dans les mains. Hop, t'appuies sur E et tac, voilà. C'est nickel. Franchement, essaye, tu vas voir. Franchement, c'est pas compliqué. Ah ouais, j'avoue. C'est pas compliqué du tout. Oh, mais il y a encore un veau. Il y a un veau de plus. Oh, merci du puits pour les 300 bits. J'ai vu qu'il y avait une des femelles qui était en. Elle a refait encore des veaux. Nickel. Je vais aller m'occuper vite fait des œufs. Ouais, vas-y. Hop. Je te rejoindrai du coup. J'ai que 17. Ah, je te rejoindrai pas du coup. J'ai que 17 ans. Ah, dommage. Dommage. Bah oui, on peut pas prendre des mineurs avec nous. C'est vraiment dommage, c'est mal foutu. Hop là. Avec tous les cochons, j'avais fait 60 glacières de saucisses, ça avait donné 50k. Bah là, t'as vu les glacières qu'on a là. Comment te dire que. Y a trop de bêtes là. Là, c'est bah, y a pas trop de bêtes. On est envahi. Y a trop de cochons quoi. On est envahi. Attends, parce que j'ai une poule qui veut se tirer là. Moi, j'ai les cochons qui m'empêchent la vache de bouger quoi. Ouais, mais on va faire le ménage dans les. Attends. Moi, je pense que tu devrais créer un autre hangar pour les vaches. Que pour les vaches. Et eh ben après ouais, notre hangar. Est-ce que tu vas avoir des petits. Un hangar que pour les vaches, c'est possible. Hein, on pourrait tout à fait. On pourrait tout à fait. Ça peut être largement faisable. Attends, je ramasse les œufs. Allez, il y a plein de caca là. Hop là. Attends, bouge pas. Tac tac tac. Je suppose que Drifty, c'est toi qui m'envoie des messages. J'entends le téléphone qui bip. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un signe de vie. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah oui, c'est là, merde. Okay. Ça, ils ont fait caca partout. Même pas. Ah bon? Putain, c'est qui alors? Ah, c'est rien, ça va bien se passer. Les chevaux sont là ou pas, j'ai pas trouvé. Les chevaux sont là, il faut aller les négocier, mais là j'ai pas assez d'argent pour les négocier. C'est vente à enchère, les chevaux. Vente à enchère dans le tableau, tu sais, quand tu te sors du ranch, t'as un tableau de. T'as un arrêt de bus là. Et apparemment, c'est là qu'il faut aller pour aller au. Comment ça s'appelle aux négociants aux animaux en fait, à la vente aux enchères et tout. Mais on essaiera avant la fin de l'épisode d'aller en chercher un. On a le ranch, on essaiera d'aller en chercher un, mais il faut que je fasse un peu de scierie. Mais là, on a besoin de main-d'œuvre, là. Eh, les enfants, là, c'est l'heure de se connecter, là. Venez avec nous, là. On a besoin de main-d'œuvre, vite. Alors, ça, pour l'instant, je vais le laisser là, parce que de toute façon, je le récupérerai pour 4 heures. T'as un bidon de lait qui est déjà plein encore. Ouais, de toute façon. Comment te dire Là, ça va être. T'as combien de femelles ici en animaux, en vache? En vache, j'en ai que 2, si je me rappelle bien, ouais. Ah, donc c'est bon, ouais, donc c'est bon. Que j'ai traite, on a traite les deux déjà. Touk. Ah oui, c'est vrai que quand t'as le truc dans les mains, tu peux pas ouvrir. Hop là. Mais les cochons, c'est devenu une invasion. Les cochons, il va falloir faire le ménage. Comment te dire
Y a pas un gros frigo? Vous avez pas un gros congèle dans le jeu là? Tu vois? Non, tu poses le congèle et tu butes tous les cochons, tu les mets dedans? Y a pas moyen? Non, y a pas. Y a pas encore. J'ai pas le jeu. C'est dommage. Du coup, alors attends, parce que là, ça nous fait combien de gros cochons là? 1, 2, 3, 4. Putain, comment ça veut dire? Ça va faire un paquet de viande. 4, 5. On arrive à les compter sans qu'ils bougent. J'arrive même pas à ramasser les miens. 6, 7. Et t'auras pas assez d'œufs pour faire ce que tu veux faire. 9, 10. Ouais, bah au pire, on vendra sans les œufs, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, on ça rapporte autant. Hein. Ah, ça rapporte pas autant, ouais, j'avoue. Mais bon, ouais. Ça rapporte toujours. Je veux dire, là, t'as 10 ça cochons. Rapporte. On a 10 cochons à nettoyer, quoi. Donc là, on va passer en mode abattoir, c'est. Tu veux faire l'émission ou tu veux t'occuper de l'abattoir? Non, on va faire l'émission, on va faire l'émission, comme ça on aura le fusil de chasse. Comme ça, après, on fera l'abattoir. J'emmène ça là-bas. Ouais, au pire, attends, on bouge pas. Hop, on va ramener ça à la cuisine, vite fait. J'en emmène un autre à la cuisine, moi. Hop. On va poser ça là. Tac. On a encore des saucissons et tout ça là-haut. Hein. Ouais, ouais, j'ai. Il y a encore de quoi faire. Hein. Par contre, le jeu qui tourne en 10 FPS là, ça m'énerve. Hop là. Moi, je peux. Moi, ça va avec la fibre, ça tourne. Hein. Ah oui, oui, bah non, mais là, c'est juste. Bon, te dire, c'est la carte qui a décidé de faire la con ce soir, c'est tout. Elle a pas envie de bosser, c'était elle au week-end, tu sais. Dans le fromage, tu mets que la moisissure, tu mets pas d'œuf. Dans le fromage, si, il faut mettre la moisissure dans le fromage. Ouais, mais c'est tout, hein. Ouais, il y a que ça. Ouais. Tu mets le lait. Parce que moi, je sais plus si t'as les œufs. Si, t'as les œufs, je crois. Si, il y a les œufs dedans. Ouais, il me semble bien qu'il y a les œufs. Hein. Je veux pas dire de conneries. Ah, mais les œufs, pour l'instant, ils sont pas encore ramassés. Enfin, ils sont ramassés si tu veux, mais il y a encore ceux de 4 heures à ramasser. Il y a Anto qui est là. Ouh, Anto! Anto qui nous a rejoint! Le troisième bras de Dieu arrive. Ça va bien? Ça va bien et toi? Anto, ça va. Par contre, t'as pas oublié de m'envoyer quelque chose en MP? Le code, il est dans chat libre dans Schizoland. Ah, ok. Le code multi. Tu m'as dit que je t'envoie le code et puis... Ouais, ouais, c'est pas que j'ai pas j'ai oublié, mais les glaciers, je les mets au niveau des cochons parce que tu vas en avoir besoin. Oh putain, si je le tape pas au bon endroit, si je ouais, bah attends, garde-en un peu des glaciers, on va les chasser vite fait. Hein. On va faire l'émission en même temps. Il t'en faut deux là, maximum. Minimum, ouais, tu veux dire. Ouais, minimum, je veux dire, maximum. Minimum deux. Hein. Ouais, allez, je t'aide. Hop. On va en garder trois au cas où, tu sais, qu'on fasse un gros carnage. Oula, pourquoi le pare-feu il s'excite là? C'est normal. C'est normal. La première fois que tu l'allumes le jeu. À chaque fois que tu l'allumes, il demande le pare-feu. Vas-y Dark, je te laisse conduire. Ouais, vas-y. Si tu peux mettre les œufs, ouais, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte après. Mais ça fait un moment que j'ai pas joué, ça fait un mois. Un mois, on avait pas fait d'Orange. Donc comment te dire que c'était compliqué. Merde. Où tu vas? La sortie ici. Derrière toi, 180 derrière. Putain. Ouais. T'étais presque, hein. T'y étais presque. C'est que chez moi c'est pas. Les mouvements ils sont sur un clavier QWERTY. Ouais, tu peux passer en. Tu peux reconfigurer les touches. Et hey Anto, coucou. Anto il est sur tous les jeux avec moi. Il est partout. Ils sont au fond des contrées, ils sont partout. Alors. Ouais. Vas-y Dark, comme ça il va découvrir en entendant, c'est bien, on va pêcher. Ah bah on l'a attrapé dans le coffre. Comment te dire? Bah je l'attrape en même temps moi. Oula. Je crois qu'on va le repère, tu sais. Non. Anto, il fait le beau gosse. Il y a un élan à droite. Il y avait de la nourriture. Attends, je l'ai vu. Il est là. Je l'ai vu. Bon, avec la voiture en multi. Putain, je le vois plus. Je l'avais vu. Je l'ai vu. Ah, il est là-bas. Ouais, il est à gauche là-bas. Je l'ai vu. Vous êtes combien là? Là, on est 3. On est 3 sur la session. Et là, qu'on va te dire qu'on est parti. Oula, ça tire. Carnage. Putain, mais moi, j'ai tellement l'habitude d'avoir le fusil que en une balle, ça tue, quoi. Là. Voilà, je l'ai eu. J'en ai eu un. Non. Ouais, j'ai l'autre à gauche, là. Attends, bouge pas, je l'ai. Je l'ai. Cours pas si vite. Hop. Attends, je l'ai pas eu. Il se barre vers la voiture. Je suis en train de recharger. Je l'attrape. Il va me falloir 6 balles pour un élan. Sur la tête. Là. C'est bon. Nickel.
Attends, bouge pas, je vais chercher avec, une glacière. Avec le fusil, t'en as besoin que d'une balle. Ouais, bah ouais. Bon, on découvrira ça. Bah ouais. Hop là. Tac. Il faut lui en ramener combien? 8, c'est ça? 8, et ouais, il faut qu'on abatte 5 prédateurs. Hop là. 8 et 5 prédateurs, donc il faut 8 élans et 5. 5 soit ours. Un loup, soit un ours. Soit un loup, soit un ours, ok, d'accord. Ouais, les loups, ça. Oh, putain, schizo, franchement, c'est pas top. Hein. Ah non, bon, moi, je pose là où j'ai de la place. Là où je peux. Schizo tire sur les arbres. Bah oui, c'est pour les marquer. Parce qu'on va falloir qu'on les abatte. C'est toi qui siffle avec... Ouais, c'est Anto. Ah, c'est Anto qui siffle. Ok. C'est bon, Anto? Allez, vas-y. C'est mardi. Attends, mais on en a battu 3 ou 2? 2. Non. Et on peut pas mettre autre chose que le clavier là? Non, tu peux pas mettre manette. Ça marche pas la manette, le jeu. Oh les salauds. Ce sont les cochons qui font perdre énormément de FPS. Ah, c'est possible. Ah, y'en a un à droite, Tu le vois? Ouais, je l'ai vu. Fonce lui dessus. Chopez l'oiseau. Ah. Une balle chacun. Comment on fait pour avoir... mettre les armes et tout ça là? Appuie sur tab. Sur tabulation, ouais, et tu descends ta souris vers le bas pour l'arme et. On en a combien là? Et pour les outils. Là, on est à 3. Non, on en a plus. 6. 6 là? 6, on a assez. On a assez? Ok, donc il faut les prédateurs. Faut aller dans le spot d'ours là. Faut aller buter l'ours. On y va. Ouais, on t'augmente. Par contre, t'auras peut-être pas assez de balles là. Moi il m'en reste un paquet. Il m'en reste que... Ouais, si, il m'en reste 31. Il m'en reste 35, ça va être. J'en ai 37, mais il faut que je trouve comment on tire. Alors, il faut clic droit, clic gauche, tirer. Clic droit, viser, clic gauche, tirer. Voilà, c'est comme comme GTA, la même. Et tu, toi, t'as l'avantage d'être dans le coffre, donc tu peux tirer comme ça, là, en l'air. Et faut pas s'auto-tirer dessus, sinon tu meurs. Parce que j'ai tué je sais pas combien de fois Gabi. Oh, oula. Oh. Il y a eu accident. T'inquiète, on gère. Toi, quand tu joues en multi, tu es au même régime que l'hébergeur. Tu es au même régime que l'hébergeur. J'ai pas compris. Bah alors. Tu es au même régime que l'hébergeur. Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et normalement, t'es au même niveau, oui, que l'hébergeur. Oui, t'arrives avec. Bah, t'es au même niveau. Tu vois, là, j'ai pas le fusil. Par exemple, Dark, il a le fusil. Bah, vu que j'ai pas le fusil, lui, il a pas le fusil. Ouais, niveau d'équipement, voilà, c'est ça. Mais si tu viens sur ma partie, t'as le fusil. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est comme si vous rejoignez une partie farming, quoi. Vous rejoignez avec l'avancée du gars. Avance un peu, Anto, tu vas tomber. Anto, il est à deux doigts de descendre. Les petits nounours! Il est où Winnie? Là, voir, j'ai du miel. Ouais, mais. Vas-y! J'arrive pas à tirer. Shoot! Pas j'arrive trop près. Pas à tirer. Clic droit, clic gauche. Ouf! J'ai même pas eu le temps de dégainer. Là, quand je fais clic droit, ça vise bien. Ouais. Et quand je fais clic gauche, ça tire pas. T'as fait recharger? Ouais, j'ai 6 sur 37. Là! C'est de nounours! Voilà, j'ai encore une fois fait recharger. Regarde si t'as bien attribué tes touches au pire. Non, mais c'est bon, chercher. T'as pas besoin. Je vais aller chercher. Ah, tirer, y'a plus rien. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et c'est pour ça que ça tirera beaucoup moins bien si t'as plus rien. Un copain. Donc là, tu mets. Ah bah attends, bouge pas, il s'est mis une balle dans la tête, je crois. Parce que mais t'as. Pourquoi? Parce qu'on va à la vitesse de la lumière, on va plus vite que la balle. Du coup, t'es. Du coup, tu t'es mis une balle dans la tête. T'as tiré en face de toi, la balle elle était revenue en pleine tête comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'était sympa. Il faudrait qu'on aille faire essence aussi. Bah vas-y, hein, l'essence c'est au-dessus. Ok, et là, y'a Nounours à droite. Vas-y, Anto. C'est 4 balles. Non, 4. Je crois qu'il y a un deuxième bourrin. Il y a vraiment un deuxième bois. Hein. Prédateur abattu. On est à 4, il nous en manque un. Non, on est à 3, il nous en manque 2.
Attends. Ah oui, merde, j'ai l'arme dans les mains. Je sais pourquoi ça veut pas. Allez, des bisous, bonne game. Bah, bisous, Drifty. Bisous, la famille. Je t'envoie un message où on s'appelle dans le week-end. Des bises. Ah, ici, la dernière fois sur ma partie, il y en avait 6 au même endroit. Ah, 6, c'est la fête. Mais nous, on a jamais. Plus que 4. Ouais, on a jamais dépassé plus que 4. Non. Ah, moi, j'ai 6. J'en ai eu 6 d'un coup. Là, déjà, si t'as enfin... le quatrième, si t'arrives à choper le quatrième, t'auras de la chance. On a fait la traite des vaches, hein. Ouais, ouais. Nickel. Je l'ai faite. Ouais, on fera la refaire la à la première, 16h. Pas la deuxième. Hein. Ouais, ouais, là, 16h, la deuxième. Là, il est 2h30. Si on trouve un loup, hein. Ah, si on trouve un loup, ouais, ça serait pas mal, mais. Je trouve que les animaux, là-dedans, c'est bizarre comment tu les. comment tu les attrapes, t'es. Ouais, c'est Anto s'est suicidé. Bizarre, ouais. C'est tout à fait ça, Batou. Anto, il a décidé, je ne veux plus. Je veux plus vivre. Je veux plus vivre. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Bonne demain. Bon boulot. Bah, ciao, ciao. Bisous, bisous. Et puis, voilà. Porte-toi bien. Excuse Anto. Bah, c'est rien. C'est la conduite de Dark, comme d'habitude. Hein. Ça revient à la même conduite que Farming. C'est la même. Nous cherchons des animaux. Il y en a ici. M'a semblé voir quelque chose, non? Non, je vois rien. Alors attends. De base, il y en a ici aussi, mais. Bouge pas. Je vais prendre de la hauteur. Je vais te laisser machiner. Je vais aller prendre. Dommage qu'on peut pas les appâter là. Ouais. Faut être marrant. Et où bébé? Et où est tes têtes? Et où cucu? Et moi, il y avait pas des loups aussi? Si, si, normalement, il y a des loups. Prédateurs. Il y a des loups, il y a des ours. Il y a les ours et les loups. Mais souvent, un loup, il chasse une. Un cerf. Un cerf, ouais. Ouais, ce qui est logique. Souvent. Moi, je vois. Oh là. Tu veux pas rouler un peu mieux, non? Non. Tu peux pas demander. Pas demander à Dark de rouler mieux, c'est pas possible. Faut te dire, c'est compliqué, il y a ces deux options qui ne sont pas compatibles. Ça fait 3 ou 4 fois que je suis en bas, quoi. Ça va. Ouais, trop chelou, si tu trouves un ours plein derrière, si des loups quoi? Qui m'a marqué? Me mustra, des loups me mustra. Moi, il n'y a pas compris. Bah là, tu peux rentrer dans la voiture, hein, Anto, si tu veux. Ah, si c'est mec, il va pleuvoir, là. Oh, il va pleuvoir. Ah, Dark, il y en a un là, Anto. Aussi bien que Kali. Ouais, attends. Ouais, alors je dirais que Kali conduit mieux, hein, mais chut, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Pas eu le temps d'attendre. Pas eu le temps. Pardon. Il en manque un, Ciseau. Il en manque un, bah pour l'instant, moi j'ai que dalle. C'est moi le gibier, là. Pourquoi il met que le recharger? Il m'a même pas mis. Mais il te marque pas pour tirer, hein. Ouais, non, mais pas pour tirer, mais. Normalement, t'as le E pour écorcher, tout ça là qui se met. Salut Thomas, salut. Bah, tu l'as peut-être pas. Si t'as tout modifié toutes tes touches. Ouais, tu regarderas, mais. Moi, j'ai modifié juste les touches de déplacement. Anto, il faut que je te fasse faire un truc, il faut que je te fasse faire le bois. Tu connais le bois? Tu connais le bois de farming, tu sais. Et il faut ici. Faut que t'essayes le bois celui-là, ici. Celui-là il est pas pété, hein. Là, il faut que t'essayes celui-là d'ici. Giant, il devait prendre exemple sur eux. Merde. Un schizo. Ouais, ça serait pas dégueu. Le pick-up, c'est lequel? C'est l'utilitaire sport, c'est ça? Non, c'est le noir, le grand noir. Le blanc, c'est de la merde, hein. Le grand utilitaire noir. Ouais, celui-là je prends. On dirait la Cadillac. En noir. On dirait un Cadillac, c'est ça? Mais tu prends pas le blanc parce que le blanc, je peux te dire, c'est un drift. Hein. C'est un drift. Ah. Non, bah. Je suis juste parti chercher. Il est où? Il est là. Il est moche. Il est tout moche celui-là. On dirait un Raptor. On dirait une sorte de GMC Cadillac Raptor avec des ailes bizarres. 2600. Ah, ouais, je l'ai acheté. Ouais, c'est celui-là qu'il faut. Le blanc, c'est de la merde. Celui-là, il va bien, là, tu dis? Ouais. C'est un 4 places, celui-là, du coup. Oh, c'est un 6 places, je crois. Un 6 places.
Non, c'est un, ouais, c'est un 4. Anto, tu peux le rentrer dedans en appuyant sur E. Ouais, va dans le garage. J'aimerais bien pouvoir monter derrière, mais... Attends, je vais dans le garage, je vais dans le garage un peu. Hop, 2 secondes. On va aller dans le garage, on va aller regarder. Ah, on peut pas le peindre. J'arrive pas à monter. Oh là. Non, mais ils te disent pas d'appuyer sur E. Non, ils me marquent que R pour recharger. Mais toi, c'est quoi tes touches que t'as modifié? Ah bah voilà, là maintenant ça marche. Parce que j'avais l'arme dans la main en fait. Ah oui, voilà. C'est quand t'as l'arme dans la main, il faut que tu l'enlèves, excuse-moi, j'avoue. Quand t'as l'arme dans la main, ça marche pas. Ciseaux. Ouais. Je vais rendre la viande. Ouais, si on l'a tous, mais je crois qu'il en manque encore un. Non, on a toute la viande, mais il nous manque un gibier. Un prédateur. Prédateur. D'accord. Et 8 gibiers. Il non, les beau, 8 gibiers, je les ai. Là, il est beau là, regarde. Regarde-moi ça là. Oh le mec. Oh, regarde machin, il s'est mis droit comme un hit. Jackie Jitting. Jackie fait du tuning. Tu le dis moi. Elle pour changer les lumières. Elle. Et que ça. Eh mais mets les glaciers dans le pick-up hein. Ouais carrément. Et mets le pick-up sur le parking. Enfin le quad sur le parking. T'sais. Un Dodge Tuning, c'est ça. Un Dodge Tuning. C'est pas mal. Celui-là il doit consommer hein. Et il doit téter lui. Eh ben y a de la place. Et en plus t'as le petit panneau de toit en haut. Tu peux en mettre encore beaucoup hein, et tout. On a la remorque en plus hein. Attends, je suis pas sûr que tu peux en mettre en haut. Hein. Oh moi je suis sûr que tu peux. Je sais pas. Attends. Pourquoi. Je serais pas à Paris. Ah si tu peux. T'as raison. Ah tu vois. Attends. Ouais mais par contre c'est pas Schizo qui doit ranger. Direct. C'est quoi ça veut dire quoi cette critique. Salut Thomas. Attends j'ai pas vu qu'est-ce que tu m'as dit. Voilà. Petite question sur le jeu. Bah hésite pas. Pose la petite question. C'est pété. Non, c'est pas pété. Camion, c'est pas pété. Ça va bien. Excusez-moi, comment ça va? Bah, ça va bien, la forme aussi. Il y en a, il a piqué le pick-up. Ouais, il s'est barré avec mon pick-up. Je viens de l'acheter, il s'est barré. Par contre, attention, un animal derrière. Où ça? Il y a un animal là? Où ça? Où tu ça, vois un ours? Non, mais il m'a perdu en route, le gars. Putain, mais Anto, rentre dedans là. J'ai perdu. J'ai pas. Et tu sais qu'il nous manque. Il nous manque un prédateur. Hein. Bah je sais. Anto, enlève ton arme et rentre dans le pick-up. Il nous manque un prédateur. Ah. Non, dans le véhicule. Ah, dans le véhicule. Ah putain, il m'a trollé. Et d'ailleurs, j'ai pas pris le café à Drifty. J'ai oublié de prendre le petit café. Activer en jeu. Hop là. Le port. Je vais déjà prendre la viande. Attends, bouge-toi. Tac. Jus d'orange. Jeu, il faut pas qu'on oublie qu'on fasse la traite. Hein. Ouais, parce qu'il est 18h. Bah, comment te dire Bah, écoute, je vais prendre le quad, je vais remonter à la maison. Bah, nous aussi, moi, je vais juste prendre la mission, on va rentrer. Ouais, mais là, toi, la mission, tu l'auras pas. T'auras pas tout débloqué, t'en as oublié. Si. Bah, il manque un prédateur. Non, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Voilà. Nickel. On va avoir du fusil. On va pouvoir abattre les cochons comme des enfin au fusil, nickel. Avec une petite musique épique et tout qui va bien. Attends. Ah. Alors pour ceux qui me posaient la question, pour les chevaux, c'est ici. T'appuies sur eux, Anto, pour mettre dedans. Et Anto, quand tu prends direct la glacière, tu peux direct écorcher avec la glacière. Ouais, je sais. Et tu me ranges ça bien dans le pick-up. Il a pas remis de gasoil dans le pick-up. Dans le quad. Bah non, Bah non parce que j'allais te chercher de base. Voilà. Hé hey, chef. Comment je fais pour le tourner? Comment je fais? Non, ouais, je suis mort. T'appuies sur la souris. J'ai le jerrycan qui doit être là. La molette. Ouais. Voilà, le jerrycan qui est là, on va faire le plein. C'est de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Deux pour insérer, vas-y, fais le plein pendant ce temps-là. Oh là là, les cochons. Eh, de la place, s'il vous plaît, cochons. Voilà, les cochons, par contre, le pick-up, il a du mal à monter. Hein. Ça, c'est le taureau. Elles sont où, mes vaches? Viens voir là, toi. Viens, copine. Pick-up a du mal à monter, mais c'est parce que vous êtes trop lourd. Ça, c'est Anto, ça. Ah bah voilà, direct. C'est pourquoi pas toi? Hein? Ça veut dire quoi? Je vais aller mettre une balle dans la teuté. Ah, moi, je vais aller chercher un jus d'orange, vite fait. Le temps que la traite se fasse. Au calme. Hop. Oh, allez, on va. Oh là, on a le fusil. Pardon. Ah oui, merde.
Ouais. On a le fusil. Tiens, prends la... Ouais, on va lui donner la viande, Anto. Eh, demain, on fusille du cochon. On pose ça là, hop, on pose ça là, tu prends la viande, tu lui donnes. Voilà, c'est bon. Fusillon du cochon. Viande de bœuf, bien rentable aussi. On a pas fait encore. Elle est vide ? Comment je sais si c'est vide ou pas ? Quand tu la prends, quand tu la regardes dessus, c'est marqué si t'es à 8 ou pas sur la glacière. Ouais, c'est marqué 0 sur 12. Donc elle est vide. Et la prochaine match, ils vont mettre une mitraillette pratique avec le nombre de cochons. Imagine, tu tombes dedans, là. Je vais acheter des balles, Schizo. Ouais, va acheter des balles. Et j'ai mal rangé les glacières. Putain, c'est qui ça encore? Moi, j'ai fait jus d'orange. Achète les balles. Pas mal, plus rentable le bœuf que le cochon. Je sais pas. Franchement, on n'a jamais fait de bœuf encore. Voilà, voilà. Où il va le cochon, là? Qui fait, lui? Wow, descends de ton perchoir, là. Martine, descends, il y a de la place en bas là. Voilà, merci. Là, les gars, ils se montent l'un sur l'autre pour dire que. Merci Aurélien. Bonsoir à tous, salut Aurél, comment tu vas bien? Bon, on y va encore? Voilà, on a le fusil. Mais... Ouais? Bah, je t'attends, c'est toi qui conduis. Ah bon? Si tu veux, je conduis. Hein. Ça tire. Je sais même pas comment on fait. Vas-y, j'ai pas chargé, je vais te. Je voulais mettre un coup de fusil. Bah, gardera la surprise pour après. Hop, je vais finir ma traite. Pourquoi je vole du coup. Il me manque. J'appuie sur Z. Recule avec la touche S. J'appuie sur S, mais. T'aurais dû refaire tout le tuto. C'est clair. Il va te faire chier. Pardon, Anto. Descends des véhicules. Vas-y, monte. Voilà. Là, je suis tout seul à la ferme, là. Les ouvriers sont en train de rigoler, là. Tiens, vas-y, essaye le pick-up du patron. Regarde, il est bien, mon pick-up. Non, c'est que j'essaie qu'on... C'est Spider Cochon de Homer, c'est ça. Bah, attends, il se passe quoi, là? Je me disais bien qu'il y avait un problème. Regarde les cochons. Regarde le cochon. Et le cochon. Descends de là. Mon Dieu, le cochon. Cochon volant, là. Bon, c'est quoi, le problème? Ah, je suis pas sûr que celui-là, je peux l'attraire. Non, je peux pas te traire, ouais, je suis d'accord, va pas te fâcher. Je crois que j'ai pris tout le monde. Hein. Schizo. Oui. Le pick-up, j'arrive pas à reculer avec le pick-up. Et avance. Mais t'es mauvais. Mais j'arrive pas à avancer non plus. Bah voilà. Je sais même pas s'il est plein, je vois pas les numéros. Bah venez dormir là. Descends. Donc, plus simple, on verra ça demain. Ouais, mais. Vous êtes où les gars? Alors, F pour allumage. On est dans on est chez le chasseur. Vous êtes tout là-haut, vous êtes sur le chasseur et vous êtes dans la merde. Ouais, je te jure, je sais pas pourquoi. Ah bah voilà, les gars. Venir chercher avec le pick-up pour essayer de pousser le pick-up. Je peux pas, j'ai plus de gasoil dans l'autre là. Ah putain. J'ai plus de gasoil dans le quad. Là les gars, ils ont planté le pick-up tout neuf. Rendez compte? Et le pick-up du patron, elle est... Tout neuf le truc, ils ont tout niqué. Ils ont tout niqué. Attends, j'allume la lumière. Non, ça c'est les prises, Fabrice. Il y a une lumière là, il y a peut-être moyen d'allumer la lumière là. Non, c'est pas là. Il brise. Est-ce qu'il fait au moins quelque chose là? Parce que tourner les roues, ils tournent. Oh, ils sont. Essaye d'avancer là. Essaye avec le camion. Ah ouais, c'est vrai qu'on a le camion encore sur le côté. Je vais aller chercher avec le camion. Par contre, Schizo, il y a un bug avec le café sur Twitch. Comment ça, il y a un bug? Dis-moi tout, c'est quoi le bug? Dommage qu'on n'a pas la vue FPS en fait. Ça avance pas, ça recule pas, ça fait rien du tout. J'arrive. Vous avez planté le camion du patron, tu sais. Oh putain. Essaye de le remettre droit. Tu regardes le véhicule, t'appuies sur. Non, mais c'est ce que j'ai fait. Mais non, y a rien à faire. Vous êtes où en haut, c'est ça hein? Attends, je regarde la carte. Ouais. Vous êtes à droite tout en haut. Tout en haut à droite. Et là j'essaie de comprendre mais. C'est quoi le bug du café mon ami? Dis-moi tout. Ça va tranquillou mon petit Aurel? Oh putain, je regarde le chat, ça y est, je suis sorti de route. J'ai regardé le chat au lieu de regarder la route. Et là quoi te dire qu'on est dans le noir là, on aurait pu dormir, on aurait sorti le 4x4 demain hein. Ça a été pas plus mal hein.
Ouais, non, mais. Début de live, je te paye le café, ça se passe. Ça passe pas. Comment ça, ça passe pas? Je peux même plus l'éteindre. T'es passé, hein? Ah, en début de live, non, c'est Smoke qui m'a payé le café. Peut-être que le cooldown, vous avez fait en même temps. Du coup, ça l'a pas mis. Mais je peux même plus éteindre le camion, Schizo. Attends, j'arrive. Je sais même pas où vous êtes là, mais je crois que je suis en train de faire le tour du truc. Ouais, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Vous êtes là-haut là. Je sais pas où est la route. Oh bah, elle est là la route. Vous en allez bien loin. Je vous avais dit qu'il fallait dormir là. Bah ben oui. Voir des œufs de partout là. Là vous cherchez. Attends, parce que c'est long. Hein. La pédale. Hein. Pédale avec le camion. Hein. Le camion, c'est pas la voiture. Hein. Bah, tu m'expliques comment un camion peut être bloqué là? Je sais pas, on verra. Salut Sylvain, salut. Ah, je te vois arriver. Ouais, j'arrive, je suis sur la route là. Et je te vois au loin là, je vois les feux là. C'est pété. Là, vous êtes mauvais, c'est tout. Vous avez niqué le 4x4 tout neuf là que j'ai même pas testé en plus. J'ai même pas pu tester le camion tout neuf. Là, voilà, t'es encore bloqué là. Mais encore. Je peux pas reculer. Non, mais y a rien de faire, en fait. Non, mais hey, tu paries. Vas-y, descends. Moi, je te parie que cet abruti a plus d'essence. Mais ah, si, non, j'ai de l'essence. Si, d'essence. Ah, bah, vous avez fumé, voilà. Les mecs, hein. Mais pourquoi toi tu peux, nous on peut pas? Il faut appuyer sur F, démarre le moteur, guignol. Mais ça marchera mieux, tu sais. Je jure. Ah, c'est des mauvais. C'est des mauvais. Allez hop là. Tout le monde au dodo là. Faut arrêter les canons avec Anto, hein, c'est pas bon. Putain, c'est eux, on a appuyé sur F1. Bah, c'est pas F1, c'est F. Non, F, mais sur F. On a appuyé sur F. Bah, je sais pas, moi. Vous êtes mauvais, c'est tout. Comment t'expliques que moi j'y arrive et que ça fonctionne? Non, parce que c'est le truc du camion. Oula. Ah, mais vas-y, plante le camion, comme ça on rigole. C'est le véhicule du patron, c'est pour ça. Ah ouais, c'était à moi le véhicule. Hop là. C'est le cooldown. C'est un café toutes les 30 minutes pour ça. C'est possible. C'est tout à fait possible. Même après tout grisé. Ouais, non, mais si, c'est ça. Ouais. C'est le cooldown. C'est le cooldown de Twitch en fait. Le cooldown du café, parce que imagine, tu peux me payer un café toutes les 5 minutes, à la fin de la journée, je fais une crise cardiaque. Quoi. Putain, c'est pas stable le camion. On s'est retourné déjà au moins 5 fois. Là, je me suis planqué. Là, voilà. Mais je vois même pas la route. Ah. Voilà. Allez là-haut. Non, mais c'est bon. Allez directement à la maison là. On est parti. Ah, je me suis planté moi aussi. Tu t'es planté là? Non, mais je vois pas la route. Bah, moi j'ai passé tout droit. Hein. De nuit, c'est la mort. Ah ouais, non, mais de nuit, c'est incroyable. De nuit, c'est. Ce jeu là, de nuit, t'as envie de mourir. Ça sent envie de mourir. Hein. Là, il est 23h. Comment te dire que. Si, on va aller dormir. Hop là. Oh putain, on voit plus rien. T'aurais pu allumer les lumières de dehors, hein, Sagouin. Putain, enfoiré, quoi. Allez, eux pour dormir. Comme ça, je vais pouvoir... Voilà. Y en a un de vous deux qui dort ensemble, hein. Vous démerdez. Sinon, il y a la maison au fond, la maison des ouvriers, vous démerdez aussi. Hein. Débrouillez-vous, il y a deux maisons. C'est où qu'il faut aller? Allez, viens, attends. Vas-y. Oh, chou. Suis-moi, Anto, Anto, t'es où? Appuie sur L pour avoir la lampe. Le pauvre, il va être... Suis-moi, Anto. Tu dors pas avec le patron. Hein. Tu me laisses tranquille. Je suis là. Ils sont paumés, les gars. Et t'es où? Bah, t'es pas là-bas. Tu es là. T'es où? Ils ont mis... En plus, ils tournent en rond. Bah oui, c'est que... Elle est là, la maison. Non? Elle est où, la deuxième? La deuxième, elle est au fond, mais il a de la place pour dormir ici. Prends le canapé, au pire. Hein. Il y a la tente dehors, ouais. Au pire. Hein. T'es un auto. Est-ce qu'il faut? Monte là-haut. Tu vas nourrir? Il y a un niche du chien aussi si tu veux. Là. Il y a là. Là, t'as un lit, t'appuies sur eux. Ah, jus d'orange. Et comme moi, je suis un nouveau. C'est moyen.
Moi, le patron, il me paye pas un lit, je dors dans la tente. Il me paye pas un lit. Il y a 3 lits dans la maison là, il y en a 3 de l'autre côté. Donc tu peux y aller. Allez, on va traire les vaches. Il joue à Kolamaya, ouais, c'est ça. C'est ça qui joue à Kolamaya. Eh mec, okay. Là, il faut s'occuper là. Debout! Putain, mais non, c'est un parc à véhicules ici, t'es. Il va falloir faire un garage, hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on va ranger l'autre là. Hop. Y'a pas qu'un garage à faire. Merde. Oh, j'ai fait le coup. Tiens, on va récupérer. On va mettre ça dans le 4x4. Ouvrir le haillon. Hop, hop. On va mettre ça là-dessus, là. Comme ça, quand j'irai faire le plein, je le mettrai dedans. On ça, va c'est la trieuse, Anto. Ouais, je sais. La trieuse automatique. Et les vaches, on peut les traire deux fois par jour. À 8h et à 16h. Voilà, donc c'est là, ça. Les... C'est bien, il le a suivi. C'est qu'il y a tellement de cochons que comment je fais, je vais sortir par ici, moi. Non, mais on va buter du cochon. Non, mais je te dis, il faut plusieurs hangars, là. Il faut un hangar à cochon, un hangar à... On va buter du cochon, pour le moment. Comme ça, il y en a un qui fera les saucisses ça, hein. Et tout, là. Non, non, on va buter. Faut faire le nettoyage. T'as vu le nombre de cochons qu'il y a, mon gars? C'est devenu... c'est une fourmilière, là-dedans. Là. Et cochon! T'as cochon, reviens, cochon! Les carottes, les cochons! Adieu, cochon! Tu sais qu'il y a un étourdissant qui s'appelle dans le jeu, est-ce que pour ça? Pas de chance! Moi j'ai un étourdissant, moi, dans les mains, moi. Je suis à l'ancienne, moi. Regarde-moi ça, les bêtes, elles sont en train de pleurer, là. Laisse-les pleurer, c'est très bien. Cochon! Oui, mais t'auras jamais assez d'œufs. Mais les œufs, on s'en fout, c'est pas grave. S'il en manque un peu, c'est pas grave, ça empêchera pas de. Ah, mais t'auras pas assez de glacières non plus, là. J'aurais buté 4, hein. Ouais, mais. Bah, normalement, on a c'est assez 26, de glacières hein. Pour 4. Hein. C'est 26, hein. Ah, ouais. Mais non, mais non. Eh, c'est qui a laissé les portes ouvertes, là? Et vache, elle se soive, y'a tout qui se soive, les mecs. Viens là, toi, rentre. Rentre, je te dis, dépêche-toi. De quoi? C'est pas moi, je suis chez les poupoules. Chez les poupoules? Alors attends, hop. Là, il y a la Ligue des animaux qui est avec nous, on est mort. Hein. La Ligue des animaux? C'est ce qu'on a fait, la Ligue des animaux? T'as tué une femelle, t'as tué un mâle. 9, 12, 12, 12, 12, il y a du porc partout. Ah bah j'ai tué tout ce qui était gros, moi. Tout ce qui dépassait du plomb, j'ai tué, moi. Faut chercher à comprendre. Il n'y a pas assez de glacières. On va y arriver, t'inquiète. Au pire, tu sais quoi, il y en a un nous qui mettra un coup de voiture, on ira chercher les glacières. Là, on est plein. Hein. Oh putain, il est plein de cochons en liberté. Pourquoi? Maintenir pour écorcher. Ah bah lui aussi, il a pris une balle perdue, le petit cochon. Hop, mmh. T'es cochon, j'ai buté un frère. Merde. Il y a un cochon là qui se promène. J'essaie de le ramener. Attends, parce que moi, du coup, j'ai les glacières. J'ai quasiment toutes les glacières pleines. 12, bah 12, oui. 12. Ah, va falloir, ouais, faut mettre un coup de 4x4 là, vite fait là, et 12 là, ouais. Ouais, va falloir mettre un coup de 4x4, aller chercher des cafetières. Eh, mais on a des cafetières. Pff, on a des glacières dans le cul de la voiture. Ça va en faire un peu beaucoup là. Ça va faire un peu beaucoup. T'as des œufs en taux ou pas? Ouais, plein. Plein d'œufs, nickel. Bonsoir Skizo, salut Barracuda. Et Skizo, moi devant l'entrée, j'ai fait un sas en barrière. GG. Ouais bah ouais, comme ça tu peux rentrer sans dire que les cochons se sauvent. Si tu peux ramener des œufs là. Bah ouais, où? À la maison. J'espère que je suis à la bonne. Ah, l'autre poulailler il est vide. Ah mais pourquoi vous avez encore de la viande de gibier sur vous les gars? On les a pas vendus encore. D'accord. Bah écoute, regarde ce que je vais faire. Hop. Oui. Vous en achetez d'autres? Ouais, j'arrive. Ouais, je vais chercher des glacières. Je vais faire le plan en même temps. Là. T'es sûr, je passe. Chut. Ouais, je vais faire un peu de. Je crois que je suis pas dans la bonne maison en fait. C'est la grande. La grande qui est à côté de nous. Là. À côté du camion blanc là. Là, montre-lui pour les saucisses, les fromages et tout ça là, comme ça. Mais bien sûr. L'attaquer. Bah, je l'attends là. Ah. Tu fais quoi? Je te ramène le panier et je reviens.
Vas-y, pose le panier. Pose le panier, pose le panier. C'est pour ça que j'ai fait un pare-buff, t'es. J'ai mis un pare-buff sur le truc. Je savais que j'allais être un bourrin, t'es. Thrift King, c'est ça. Alors, tout vendre. Tac, ça c'est bon. On va chercher de la glacière à mort, là, pour les cochons. F. Hop. Quel pick-up de Walker Texas Ranger. Ah, il y en a un qui a reconnu. GG la ref. Il y en a un qui a reconnu. Schizo, oui. Il faut que tu fasses que moi j'ai fait, je pense, sur ma partie. Un poulailler que pour les poules reproductrices. Avec un coq. Et un poulailler qu'avec des poules pour faire que des œufs à la chaîne. Comme une usine. Ouais, bah écoute. Fais. On va faire. J'attends que là déjà nettoie les cochons là. Nettoie les cochons parce que là les cochons il y en a beaucoup de trop là. Ouais mais t'auras pas assez de trucs comment ça s'appelle. Et j'ai deux maisons pour le séchage donc ouais, s'il y en a plus de là il y en aura là-bas. Il y aura pas assez. Acheter 5 glacières, ça sera pas mal 5 glacières. Quand on va te dire il y a un paquet, change de nom pour Ken Block. J'ai envie de dépenser des sous à rien. On a plus de sous. On a zéro. T'inquiète, tu vas en avoir là. Je suis pas sûr, avec les 4 cochons, je suis pas sûr qu'on gagne des sous. T'es pas bien gras, hein. T'as le nombre de glacières qu'on peut mettre là-dedans, c'est incroyable. Le rangement dans le coffre, dans le pick-up, c'est énorme. Il faut savoir ranger aussi. Ouais, bah après, t'es pas content, hein. C'est qui te dit, le patelin. Voilà tout le monde, salut Titos, salut. Hop là. J'aime bien le petit 4x4 là, il est sympa là. Merde. Steak. C'est le 4x4 du patelin. Il y a le camion des ouvriers, le quad de l'agriculteur. Hop là. De toute façon, on a toujours su que c'était un... Tu pensais qu'à toi. Ah bah oui. Oui. J'y pense à moi avant, et après je penserai à toi après. Comprends? Ranch Horizon 5. Ah, c'est... Ouais, ça pourrait être un bon nom celui-là. Ça pourrait être un bon nom. La station essence, elle est où là-dedans? Parce que c'est pas beau de faire les cons, mais... Comme qui dirait, il consommerait un tout petit peu l'oiseau, là. J'ai fait des boulettes. J'ai fait des boulettes, bah bravo. On fait des boulettes. Bah ça rapporte aussi, les boulettes. Ouais, ça rapporte un peu d'argent. La station essence, elle est où? Elle est pas là. Oula, oula là, patron. Eh patron, t'es pas sur farming là. Tu te calmes. Station service. Elle est en face. Je crois qu'elle est par là. Hein. Ouais, elle est par là. Hop là, et on se base. Oh, il y a plus rien là-dedans. Bah si. Oh non. Boum, boum. Encore une boulette. Le 4x4, il rigole pas. En tout cas, il passe partout. Ah bah oui, je te l'ai dit. Hein. Mais par contre, le blanc, il est, c'est le pire, je crois. Le blanc, il est pété, c'est ça? Ah, je peux dire qu'il drift bien comme il faut. Bah, j'y suis, là, non? Vas-y, c'est un avion sans service, faut que j'y aille au bout, là. Et hop! Et après, il va falloir une tonne de bois aussi, si tu veux faire un ranch et tout ça, là. Ah bah ouais. Le temps que ça sèche. Pour le séchoir, tu vas pouvoir faire les deux côtés, après, là. Moi aussi, ouais. Hop là, mettons les sas. Il y a des saucisses qui sont prêtes déjà. Ah, le tuyau il est un peu tendu, chef. Passe un peu à travers la carrosserie, tu sais. Allez, on ravitaille. On peut se mettre à découvert. Ah non, il y a des sous. Hein? Non, il y a des sous. Non, j'allais dire on peut se mettre à découvert, mais non, il reste 800 dollars. Je croyais qu'il y avait plus de sous, mais non. Comment ça, t'avais plus de sous? Non, j'ai rien dit. Hop, le bidon au-dessus là. Hop. Moi j'attends Otto qu'il revienne là. Moi je suis curieux d'un truc, c'est si je me barre avec le tuyau dans le jerrycan, il se passe quoi? Ça casse? Il n'y a plus de pompe à essence, on a cassé la pompe? I don't know. Allez donc non, personne a essayé déjà? Ah non. Bon, j'essaye. Wahoo! Ah bah non. Ça l'a rangé. Ouais, ça l'a rangé. C'est pas marrant, c'est dommage.
Ça fait boum. Non, ça fait bim, bam, boum. Hop là, le ranch est là-bas à droite. Il y en a des glaciers là-dedans, là. Le ranch était pas à droite, là. Il y a des glaciers qui arrivent, les enfants. Si je retrouve la route. Le ranch était à droite, là. Oh, Yanka, salut. Salut, salut, comment il va? Alors, putain, je suis à moitié paumé, là. Ah, je lag. Mon petit Anto. Donc, là, la machine, là. Celle qui est en face. Ouais, ça, appuie sur eux. Appuie sur eux. Baille-toi, bah tranquillou. Tranquille. Ensuite, tu prends un œuf. Avec la souris, tu cliques sur gauche de la souris. On essaye à nouveau. T'appuies sur E sur la, dans la casserole. On essaye un nouveau système de farming simulator. T'es. Ensuite, tu prends la, le bidon de lait. Et t'appuies sur E aussi. Ah, c'est que t'avais pas assez de lait, ça y est. Bah, t'as fait une boulette. J'ai fait un petit carnage. J'ai fait un petit carnage de cochons. Tu sais, comment te dire que voilà. On a un peu trop de cochons ici. C'est la reproduction des cochons. Cochons dégueulasses. Dans l'hôtel avant la. Pourquoi tu la GA rond, là. La GA. C'est ça, avant la garde à vue. Tu me donnes le. Tu me donnes le. T'as oublié le V. GA. Là, je vois pas c'est quoi GA. Toi. Pourquoi il m'a piqué le. Voilà. GA. Tu l'as mis dedans. Bah théoriquement. Putain, ouais. J'arrive pas. Là tu prends la casserole, tu fais ramasser et tu viens ici et t'appuies sur E. Ici. Ah la gamère, ah voilà. Ok. Ah j'y vais et pas. Et tu moi. Enchaînes comme ça. J'y ai pas été. Vous voulez pas aller dans un canal aux deux là, les deux ouvriers là, vous me faites chier là, je m'entends même pas parler. Et ça, là ici quand tu le prends, ils sont battus les couilles. Hein. Ils m'entendent pas parler non plus, tu sais. Tu disais quoi, Schizo? Cassez-vous en haut, je peux pas causer. Cassez-vous au-dessus là, sur le canal. Bande de sauvages. Voilà. Non, non, ils sont encore là. Hein. Oh, c'est bon. Ils sont gros les saucissons sur pattes. Hein, tu m'étonnes, ils sont gros les saucissons sur pattes. Ils sont énormes. Voilà, Schizo, Anto, il s'occupe de ça. Moi, je vais m'occuper du bois. Tu l'as mis sur quoi là? Tu l'as mis sur les saucisses? Les saucisses, ouais. Oh là là, le pauvre. Ah, bienvenue sur Ranch, on va te faire faire des saucisses. Tu vas passer 4 heures à mouliner de la viande et à mettre des œufs et du fromage et du lait dedans. Enfin, du lait, pas du fromage. Moi, je suis encore en train de ramasser les machins. Hop, on va le mettre là. T'as le jerrycan, Schizo? Ouais, ouais, il est sur le toit si de la voiture. Je m'entendais plus si je me suis endormi. Ouais, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais il est sagouin. Ça, il faut le faire à deux, tu sais. Faut le ça faire va, à deux. Ça va. Je vais faire du bois en attendant. Ouah, tain, ça me fait penser à Gabi, tu sais. Ah, bah, j'ai remplacé un Gabi par un Gabi. Vous vous rendez compte, les gars, là, qui suit la sirène en temps normal? Mais il est où le petit pick-up? Galette saucisse, le top. Ouais, c'est parfait. Et t'as vous sauvez le... Ah non, tu l'as rangé, ok. Il a rangé le petit, t'as pas besoin du petit. Tu bah prends si, le camion. Le et bah, tu prends la remorque, il y a la remorque. On est équipé ici, tu sais. Ah, mais je prends. Yep, merci Yanka. Je merci. Veux le panier, je te dis, je veux un œuf. Merci beaucoup. Yes, ça a marché. Pas faux, pas faux. Oui, pas faux, pas faux, pas faux. Du coup, ça consiste en quoi en fait là? J'avais entendu parler, mais j'ai jamais été. C'est un rassemblement de gamers, mais c'est quoi? C'est un événement? C'est un de peu comme la Barry Games Week à Poitiers là. Ah, I don't know. I don't know. C'est un événement gamer. Ouais, d'accord. Ok, chef. Zed Event aussi. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est un cosplay et compétition. Ah, voilà. C'est ça que je voulais savoir. Ok, nice. On a un peu de porc. Là. Chef! C'est pour ça. J'avais entendu parler. On m'avait dit, ouais, tu vas pas. J'ai dit, je connais pas. Donc, moi, quand je connais pas, j'y vais pas. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tu prends des photos, tu filmes là-haut, non? Et est-ce qu'il y a moyen de te voir en mini-jupe? Après, avec la moustache, ça serait parfait. Anto. T'as la pièce ici, c'est le séchoir pour mettre les saucisses à sécher. Salut. Salut, salut. Merci, les gars. Merci pour les bits. Énorme. Tiens, Yonka.
Il se promène. Il est parti voir le collègue. Hop là. Allez, pause. Voilà. Vous avez quelques glacières de trucs. Hein. Je vais y voir des copains de la communauté. Ah, ça c'est cool. Peut-être un live. Ah, c'est cool ça. Ça c'est cool. Bah, ça tombe bien. J'ai les notifs d'activer pour tes lives. J'irai voir si j'en vois un. Il dit même si je suis sur la roue, je m'arrêterai sur le côté. J'irai voir ça. Je suis curieux. Eh, mais on a encore trop de cochons. J'ai fait carton. On a encore trop de cochons, quoi. J'ai encore combien de glacières vides? J'en ai 3 là. Peut-être moyen de refaire encore un cartonnage. Ça marche. Un petit tour. Tac. Vous avez assez de glacières, les enfants? Bah, t'as, ouais. Et l'orage, il rigole pas. Là, il rigole pas, ouais. Oui, t'auras pas assez d'eux. Oui, bah, c'est pas grave, tu les fais sans eux. Comment te dire? J'ai envie de prendre un screen tellement que je t'ai chargé en glacière. Mais t'as vu toutes les glacières que vous avez à faire? Tu vas en mouliner là, Dieu. Il va mourir. Il va tous mourir. Alors, attends, bouge pas. On va poser la glacière. Tac. Il y a même un moment qu'il aura plus assez d'œufs, de lait. Hein. On va nettoyer un petit peu. Mais le lait, il est 15h30 là. Je vais avoir une traite là. Avoir une traite à faire. 1h30 de route pour voir ça. Je l'ai fait tous les jours. Pour voir quoi? Ah, pour. Ouais, peut-être que je parle avec Yanka. J'avais pas suivi. Oh! Oh, le train! Le petit train, le tchou-tchou qui démarre! Tchou-tchou! Merci beaucoup! Merci! Ouais, faut faire un nettoyage, faut faire un carnage ici. Merci les gars, merci pour le démarrage! Merci énormément! 28. On va faire un carnage même parmi les petits, hein. Moi je vous le dis. Hein. Bouge pas. Charge le fusil! Il est encore en train de tuer des cochons, quoi. Il dit sousou! Allez, dis sousou! Merci pour les 100 bits. Il va à coup de 100 bits. Merci Yanka. Il est chaud ce soir, Yanka. Il est chaud, le Yanka. Merci énormément. Mais. Pousse-toi, le cochon. Ah bon. Mais tiens, tiens. Tiens, je te la mets là. J'ai mis le cochon. Ah, il est amoureux, là. Putain. Oh putain, j'ai buté une vache. Oh, t'es vraiment. Oh non. Oh, j'ai buté une vache. C'est pas de ma faute, le coup est parti tout seul, ça a ripé. Saloperie de cochon. Oh, ta gueule. Dark, arrête. Dark, bouge pas. Bouge pas, t'as une bête. Ah, oh, comment je lag. Je suis à 10 FPS là. Regarde, là, ils sont tous en train de s'accoupler, les cochons, c'est affolant. Et la pauvre vache. Bordel de merde. Faut buter, y'a trop de cochons. J'espère que c'était pas le mâle au moins. Y'a beaucoup trop de cochons. Non, c'était une femelle. Si, les animaux ont besoin et tout. Non mais regarde, y a trop de monde là-dedans. Là. Hop là. On charge, hop là, on tire. Tire à vue. Ah, la viande. Eh bien, attendre maintenant la viande. Oh, Relien, merci pour les 5 subs, merci beaucoup. Merci. Laissez-moi faire le carnage de cochons, là, ça me fait laguer comme un gros porc en plus, tellement qu'il y a de cochons. On va faire le ménage là parce que. Oh attends, putain, j'ai buté un veau encore. Anto, t'as pas mis le lait avant de mettre la viande par hasard là-dedans? Si. Ouais, c'est pas. Donc, grave. Eh hey, les gars, c'est pas grave. Je suis en train de buter du. Non, c'est qu'il a fait une connerie. Mais c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave. Mais ça va faire. Ça va faire autre chose. C'est. Là, viens m'aider là. Prends le camion, mets-toi en marche arrière là. Là, on va attends. Nettoyer les cochons parce que je suis à 10 FPS tellement qu'il y a de cochons dans le parc. Là. Hop. Cartonnage, moi, les cochons, je les aime bien, c'est quand ils sont au fond. Voilà. Et tu te calmes. On fait carnage, là. Merci, les gars, merci. Niveau 3, ouais, vous êtes des tarés. Tiens, tu bouges plus, toi. Ah, merde, j'avais plus de balles. Non, mais attends, ça se reproduit tellement. C'est énorme, ces trucs-là. Attends. Bougez pas. Petit. Toi, tu bouges plus. Ouais, c'est pareil, tu bouges plus. Restez là, il y a tellement de cochons.
Bon, là, moi j'arrive pas à faire reculer le camion. Non mais réattribue tes touches toi. T'as pas tes touches. Mais sans réattribuer mes touches. Non, t'as pas la marche arrière, sinon ça marcherait. Mais si, j'ai la marche arrière. T'es sûr que j'ai la marche arrière. Ah, le bezadash au top. Depuis que j'ai des vaches aux viandes au lieu des cochons, je suis à 60 FPS au lieu de 10. Ouais, non, mais on va buter du... Je vais faire le ménage. Hein. Je vais faire le ménage. Mais attends, parce que j'ai des ouvriers qui savent même pas reculer un camion. Là, j'y arrive pas, là. Ah ouais, mais t'es mauvais. Vas-y, descends. J'arrive qu'à avancer. Va voir le carnage des cochons. Tiens, ouvre-moi la porte, là. Sinon, on va les lâcher en nature, un peu, là. Hop là. Là, il y a plus y a de cochons, plus t'es dans la merde. Il arrive à reculer, la preuve, tu sais. Eh ben, Schizo, tu conduis quoi? T'as le permis? Non, j'ai pas le permis. C'est pourquoi? Ça sert à rien, le permis. Le permis, c'est pour les faibles. Il a tué une vache, quoi. J'ai tué une vache, j'ai tué un veau, j'ai tué tout le monde. T'sais. Voilà, comme ça, ils sortiront pas. Attends, on est même à 10 FPS à côté du truc, tu sais. Merci Yanka, des bisous. Merci énormément pour le soutien. Merci pour tout ce que t'as fait à base de revanche. Merci énormément. On va faire quoi toute cette viande, là? Ah, je sais pas, mais là, je vais découper, je vais écorcher, voilà. Ça va arrêter de laguer 30 secondes, là. Hop, tac. Il y a pas un qui veut traire? Si, c'est non, ce que j'allais faire. Là, ramassez la viande, les gars, et mettez directement dans le camion. On passe pas par le mode viandard, là. Mettez juste directement dans le camion. Déjà, on va retrouver quelques FPS. C'est qui a fermé les portes? Il y a tes cochons qui sont en train de se barrer. Mais non. Mais si. Au pire, laisse-en quelques-uns se barrer, c'est pas grave. Laisse-les se promener, on ira les chercher, tu sais. Jamais. Eh ben, pourquoi ça marche pas? De toute façon, s'il y a le camion, normalement, ils sont pas censés se barrer. Hein. Le camion les empêche. Ils se barrent. Non, ils se barrent. Ils se barrent quand même avec le camion. Même avec le camion. Non, là, ça va, ils se barrent plus. Mais t'en as un qui est bloqué maintenant. Ouais, il y en a un qui est en dessous, mais c'est pas grave. Voilà, moi, je suis au-dessus. Hop là. Ouvre. Eh hey oh. On met tout dedans, là. Allez, on charge la viande. Chargez la viande. Dépêchez-vous, il va faire nuit là. Va falloir qu'on mette des rampes, des lumières et des spots et tout ça là. Putain, mais ciseaux. Ouais, mais attends, on fait le ménage. Là, c'est un massacre. C'est un massacre. Comment aider pour le train? Juste en rajoutant des bits ou des subs. Ça aide pour le train, voilà, comme vient de faire d'Aurélien. Aurélien va d'en mettre 5. Merci beaucoup. Merci 95% à 52 secondes de la fin. Ouh, peut-être un level 5. Ce train conduit par Yanka. C'est énorme. Il est dingo. Non mais Aurélien chez moi c'est... Attends, là il est en mode tranquille. Là il est en mode vacances. En mode voilà, t'inquiète. Je passe, je mets 10-20 balles vite fait. Hop. Oh, VG a renouvelé l'abonnement en cadeau offert par Didier. GG, merci VG. Merci. En mode ok, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et en mode tranquillou là. Et connu bien énervé, tu sais. Je vais te raconter une anecdote, Yanka. On était sur les essais, tu sais, des alertes bits comme ça, tu sais. J'ai dit putain, je savais pas que ça montait jusqu'à 10 000 bits, tu sais. Et il dit, je savais pas qu'on pouvait, tu sais, qu'il y avait des 10 000 bits. Puis je dis, j'étais là, j'étais en chat, et puis j'ai, écoute, il dit, j'ai mis des nouvelles alertes. Je dis, j'ai même pas vu que ça montait jusqu'à 10 000, j'ai mis une nouvelle 10 000. Franchement, celle-là, je sais pas quand est-ce qu'on va la voir, mais ça va être sympa. Et Aurélien, elle arrive, il passe, bam, allez, hop là, tu la vois l'alerte maintenant. T'as payé un café? Oh putain, j'ai pas vu le café. Qui c'est qui m'a payé un café? J'ai pas vu, attends, bouge pas. J'ai pas vu, qui c'est qui m'a payé un café? Merci, les gars! Objectif d'abonnement atteint. Oh, vous m'avez fait péter l'objectif aussi. Merci énormément. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai vu le café. Ouais, alors il est loin, mais j'ai vu. Merci beaucoup. Du coup, avec tout ça, tu mérites. Ah, je sais pas si je mérite. Toi aussi, tu mérites. Je sais pas du tout.
Oh loulou! Oh loulou! Loulou! Louchouk! Qui offre des subs! Oh là! Oh là loulou! Merci beaucoup! Je sais pas si t'as vu Yanka, mais. Peace! Brutus! Prime, c'est son deuxième mois, merci beaucoup Aurélien, 200 bits, Zupi, 100 bits. Ah bah ça y est, le level 5 est éclaté. Il est pété, Alors attends, bouge pas, la petite roue, hop, le temps que les gars ils ramassent. On va se mettre en mode chat vite fait, le temps que je fasse mon café, parce que je lag beaucoup trop là. Je lag trop. Et je vois même pas c'est quoi, c'était du vert, alors attends, hop, on va faire ça. Bloom. Moi aussi, Mordar. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah là, ouais, c'est bien pété, là. Hein. C'est pété. Ah, c'est pété, là. Ah non, mais il y a trop d'animaux. Ils se sont reproduits. Tu sais, ça fait l'histoire de la fourmilière. 3, c'était Vanistar. Ok. Hop là. On va faire ça. Vanistar. Merci, en tout cas. Ah. Merci pour le café en retardement. Dans ma partie, j'ai mieux géré mes animaux. Hein. T'as mieux géré... Ah bah, hé. Écoute, on s'est fait déborder par les cochons. Moi, ouais, j'y connais pas les cochons, j'y connais pas tout ça, moi. Moi, je découvre. Les cochons, ils kennent tout le temps, comme ça. Ils sont là, ils kennent. Et tu sais quoi, ils se retrouvent là, ils sont 50 millions d'un coup en 6 jours, là. Moi, c'est simple. J'ai gardé une femelle et toutes les autres femelles, je les butais. Direct. Ouais. Ah bah voilà, direct. T'as pris une femelle, tu l'as butée direct, quoi. Non, non. J'en avais qu'une. Et dès qu'elle faisait des petits et que c'était une femelle, ouais. je butais la petite femelle. Direct. Je gardais que les mâles. Ah, nous, on n'a pas géré, en fait. Nous, on s'est dit à combien ils peuvent se multiplier. On va voir à combien ils se reproduisent. Et ben, on s'est rendu compte qu'en fait, ça se reproduit très vite. Bah oui, parce que les petits font des bébés aux petites femelles. Comment ça, ils font de l'inceste? Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas honte? Je file, moi. Bisous. Bah, bisous et bon courage. J'espère qu'on pourra te voir en live demain. On aille se coucher, hein. Bonne soirée Yanka, ciao ciao Yanka, des bisous. Anto, bisous. T'es merci où? Merci pour le soutien, merci énormément. Ah oui, Anto, ouais. Anto, il a fait de la saucisse. Hein. Anto, il a fait de la saucisse. Il y a plus de, pandoir. Y en a dans la deuxième maison, mais comment te attends, dire que si, au si. Pire, tant pis. Non, il y en a là, t'inquiète, j'ai trouvé de la place. Tant pis. Mais là, il va falloir aller dormir parce que dans le noir, vous allez vous faire chier les mecs. Faut juste enlever, hop. Attends, parce que moi je vois rien. Hop. J'attends mon café, j'arrive. Là, on peut enlever les saucisses qui hello sont prêtes. Hello, parrain. Salut, Jordan. Comment il va bien? Antoine. Eh, Divoire, t'avais pas un collier à m'envoyer, toi, que je sois censé recevoir? Et j'en ai marre d'attendre la poste tous les jours à 11h, là, et dire, bah putain, j'avais un colis. Le dernier qui est arrivé, elle l'a balancé, il y avait une tasse qui était pétée, là. Hein? Donc maintenant, je l'attends de pied ferme. Dès qu'elle arrive, je l'attends, t'sais. J'espère qu'elle me regarde pas. Ça va et toi? Bah, ça va bien. La forme. Hop là, on va se mettre sur le jeu. Du coup, il faut aller dodo. Parce que c'est l'heure de dodo. Non, aujourd'hui, on dort là. Pas. On fait du saucisse. La poste fait grève chez moi. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, tu me préviendras quand tu l'auras envoyé. Parce que, comment te dire? Merde. Comment ça, tu dors pas? Tu fais des saucisses? T'es pas en train de faire des saucisses là, si? Mais t'as pas. Tu vas jamais avoir assez de lait après là. Si? Non, y'aura plus de lait. Y'aura plus de lait, ouais. Il reste 23 en lait. Il reste 23 en lait, ouais. Ouais, ça va être serré. Tout qu'il a buté une vache. Ah bah ouais, j'ai buté une petite vache, hein. Et un veau. Ouais, mais le veau, c'est pas grave, ça prend pas beaucoup, tu sais. Ça prend vraiment pas beaucoup, tu sais. Donc, ouais. Normalement, ça devrait bien se passer, tu sais. Ouais. Ça, c'est tout ça qui est prêt là? Ça, c'est à vendre ça? Ouais, tout ça, c'est à vendre. Il faut charger les 4x4, les mecs là. Ouais, bah, ouais. Il est où le pick-up là? Ah, mais il m'a ressorti le quad de la. Pff, mais lol quoi. Mais t'as pas fini de ramasser les bouts de viande là? Mais le camion il est plein. Bah, non, le camion est pas plein. Si, tu peux pas. La viande, tu peux pas l'entasser par-dessus la viande. Ah, tu peux pas l'empiler, ok. Ah, bah, ouais, bah, vu comme ça, il est plein, ouais. Eh bah, tu sais quoi, on va aller dormir, on le verra, on vendra demain. Je vais mettre les glacières dans le 4x4. Merci Loulou! Merci beaucoup! Mais il manquait pas des. Putain, il y avait pas les des gars, vous êtes malades ce soir. Merci. Si, il en reste deux sur le toit là, je suis parti les chercher. Là. Ah. Tiens, j'en ai une là.
Hop, je te la mets par terre derrière. Ah bah t'as pris la deuxième, ok. J'ai pris la deuxième. Mais là dans le noir, c'est... moi je peux pas rentrer dans le. Dans la cochonnière. Merci les gars, merci, le level 5. À 99%, vous êtes à 9 secondes. Allez, faites-moi péter ça. Encore un petit 100 bits. Encore un petit 100 bits. Oui, GG. GG, le train, GG. Bravo. Bravo à vous les gars, bravo. Vous êtes les meilleurs. Alors attends. De toute façon, la nuit, il y a tout le monde qui dort, donc il faut en profiter pour ramasser tous les morceaux de viande. Voilà, nickel. Merci les gars, merci. On a un fromage qui est prêt aussi. En plus de tout. Putain, il y a de la saucisse partout. Anto, il a mis de la saucisse partout. Il y a les alertes, elles sont en PLS. Elles ont un retard de 15 km. Je fais de la saucisse. Ouais, vas-y, fais des saucisses. Vas-y, éclate-toi. Mais tu vas en avoir vite marre. Ouais, mais c'est pas grave parce que là on a tellement de viande. Comment te dire qu'on a tellement de viande que. C'est, voilà, tu sais, là on va empiler, on va aller vendre. T'sais. Le camion demain, on va. Voilà, il y a encore je sais pas combien d'animaux par terre. GG à tous, GG à vous tous, oui, GG, bravo. Applaudissements, gros GG, big up, des bisous, merci beaucoup pour le soutien pour la chaîne, merci énormément les gars. Vous êtes fous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. D'ailleurs, avec tous ces 100 bits, je sais même plus qui est-ce qui est du coup qui est passé boss du stream. Fais voir que je regarde. Par contre, tantôt, on est des esclaves, si t'as vu. À 22h45, on bosse toujours. Non, mais on va aller dodo, là. On va aller dodo, les enfants. Ah, je le vois pas. Ah, eh ben, c'est Smog. Et Smog, il est bientôt à la fin de sa vie. Smog. Non, mais on va aller... tu sais quoi, on va aller dodo, là. Allez dodo, les gars. Hop là. Dark, dodo. Ouais, j'arrive. Hop là. Bravo à vous tous. GG. La forme, les gars. GG. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Smog qui garde sa place en tant que leader du stream. C'est ouf. On va dormir, c'est ça? C'est ouf. Et vous avez pété la sub gold aussi. Putain, j'avais pas vu. Vous avez pété la sub gold. GG les gars, c'est mignon. C'est vraiment mignon, merci beaucoup. Souscription. Voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter de faire des saucisses et enlever toute la viande qu'il y a là-bas avec tous les pick-up qu'on a là, tous les véhicules. Non mais là il faut tout vendre. Là il faut partir vendre. On s'en fout qu'on n'ait pas transformé ou quoi que ce soit. Là il faut vendre. Ouais, il faut vendre, ouais. Là, faut qu'on dégage, voilà, c'est bon. C'est mignon, on dégage tout, on prend tout, on vend, et puis voilà. On repart correctement, tu sais. Charge le 4x4, charge le... Moi, je vais aller vider le camion, là, vite fait. Faites gaffe que les animaux se barrent pas tous. Non, t'inquiète, je vais fermer la porte. Yep. Le haillon est pas fermé, mais comment te dire, un peu de viande derrière, c'est pas grave. Putain, il pleut encore, là. Hop là. Hop, on va aller vendre tous ces morceaux de viande direct. Alors comment te dire qu'on perd de l'argent là, hein. Là on perd de l'argent. Y a pas des machines un peu plus Non. On a les meilleurs là. On a les meilleurs des meilleurs, ce monsieur. Là tu pourras pas avoir meilleur que celle-là, malheureusement. Ah bon, peut-être dans la prochaine match qu'il y aura meilleur. Là, c'est affreux le nombre de FPS que j'ai perdu. Tu sais, je suis passé de 60 à 20. Et encore 20, c'est un grand mot, je crois. Ouvre la porte. Voilà. Tac. 840. Voilà, 28 ports. Hop là. GG, les gars. Avec les nouveaux niveaux. Ah putain, il en restait encore derrière. Il en restait encore derrière, c'est pas fini. Salut Pig, salut. Oh Pig, comment dire, j'ai abattu tous tes frères. Elle est où Peppa? J'ai buté tous les cochons. C'était pour la blague, hein. Merde. Hop là, 570 de plus. Ah ouais, okay, on a de l'argent. Il me le faudrait en taux. De quoi qu'il te faudrait quoi? Tiens, hop. Non, c'est eux.
Ouais, bon. J'aurais voulu fermer le truc, t'sais. On a buté, je sais pas. On s'est fait envahir par les cochons. Les cochons, ils se sont multipliés, mon gars. On s'est fait envahir par les cochons. Il dit il y avait une population de fourmis de cochons. Tu connais pas les fourmis cochons? Allez, les roues, elles passent à travers le plancher. J'avais pas vu ça. La physique. Bêtez la physique. Hop là. Aïe. Il y a trop de viande là. Il y a trop de viande. T'as de la glacière. Non, les glacières, elles sont pleines encore. Non, il y en a deux de vide. Il y a deux de vide là. Bah, faut faire les allers-retours et puis go. Il y en a deux de vide, faut y aller. Bah quoi là? Bah, il t'en reste encore. Ah ouais, non, mais si, il faut des glacières. Il y a encore du monde de l'autre côté, hein. Bah oui, je vois ça. Il y a encore un veau, il y a encore tout ça. Mais là, tu peux y aller avec celui-là déjà, Schizo. Avec lequel? Tu veux que j'aille vendre lequel? Le quad là? Ouais. Moi, je fais les allers-retours. On va passer la journée à faire les allers-retours, t'sais. Hop là. Tu veux pas enlever tes bouts de viande là et venir ici là? Je te charge avec les glacières. Bah prends le 4x4. Prends mon pick-up. Et mets les glacières dedans, ils sont déjà chargés les glacières, je crois. Comme ça vous pourrez charger les glacières après, tu sais. Elle correspond à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, les points là? C'est les points Wizbot, c'est les points les Schizo Gold. Elles sont pleines les glacières qu'il y a dedans parce que. Il y a des glacières, ouais, qui sont pleines. Sur le. Ouais, c'est plein. C'est blindax. Autrement, il faut envoyer le camion à l'intérieur comme on a fait tout à l'heure avec Schizo là. Non, mais c'est bon, là on va s'en sortir. Fais encore un tour avec moi ton camion et puis ça va être bon. Ouais, ouais, bah ouais. Et le souci, c'est que tous les animaux vont. Je fais un tour avec le pick-up. Je fais un tour avec le pick-up et puis t'as de la glacière, hein. Après tu peux tout mettre dans la glacière. Hein. Par contre faut faire le ménage, hein. On continue à vider le cochon. Ah, c'est ce que je fais. Alors les points à compte, Loulou, si tu veux, c'est les points qui sont donnés par... alors c'est Wizbot celui-là, je crois. Ouais, c'est Wizbot. Par Wizbot, et en même temps ces points-là sont convertissables en monnaie. La Schizo Gold, en fait, ça permet d'acheter les VIP, voilà. Donc ça va un peu mieux au niveau FPS, un tout petit peu, ouais, mais c'est pas encore ça, tu vois. Pas encore la teuf. La Schizo, j'ai tous les animaux qui sont en train de fuir, par contre. Je me dépêche pas. Bah écoute. Arrête de les faire fuir. Ah bah si tu m'écrases. Je les suis écrasé, chef. Bah écoute, laisse les deux cochons dehors, là, c'est pas grave, tu sais. Ah c'est bon. On va pas sortir. Par contre, moi, du coup, faut que je fasse le grand tour. Je vais pas réussir à expliquer. Et ici, c'est affreux. Vous avez vu le nombre de FPS que je perds? Après, je suis en qualité un tout petit peu trop élevé. Je devrais baisser ma qualité, je pense. Je devrais baisser vraiment un chouï ma qualité. 12. Celle-là, elle est vide. Tiens. Celle que je t'ai mis par terre derrière le camion, elle est vide, là. J'ai deux vides à l'entrée, hein. Celle-là, elle est pleine. Hop. Tac. Celle-là, elle est vide. Tiens, Soussou Dark, pardon. Elle est pleine, l'autre. Hop. Tac. Voilà. T'as des vides, Anto, vers toi, là? Non, non, j'ai que des pleines. T'as que des pleines? Et charge-les toutes, hein. Fais-toi pas chier avec 40 000 saucisses, les tout, là. On va revenir à zéro, on va refaire un reset là, on va faire un masse d'argent. Les saucisses sont pleines. Hein. Les saucisses sont pleines, ok. Je crois que. En maturation. J'hésite à dire. Il va se faire bouffer de toute façon le cochon si on fait rien. Hop, c'est un petit. Allez, il en a tué un autre, allez. C'est rien, c'est un morceau de viande. Ils se promènent dehors, les cochons, là. Ils veulent se sauver, là. D'où tu pars de chez moi, tu sais. Tu te calmes, Martin. J'ai de la place ici, un peu. Attends, moi aussi, j'ai de la place. Non, mais comme ça, je peux charger. Ouais, attends, tiens. Hop, pose ça ici. Ouais, attends, je suis en train de charger les bouts de viande et les trucs. Tout ce qu'on avait de trop. Oh, y a pour une mission, il faut vendre deux porcelets et deux porcs et deux et six œufs. Une mission, je crois, si je m'en rappelle bien. Ah bon? Ouais.
Bonne fin de soirée les gens, mais bonne nuit, ciao ciao, et en espérant de te revoir vendredi, hein. Ça serait pas mal, merci beaucoup. Ça serait cool. Babe, non babe, babe, comment te dire, ils sont encore trop nombreux dans l'enclos, hein. Ils sont encore vraiment trop nombreux. On a encore là de la viande ? Ah ouais, bah ouais, ouais, il y en a tarbasse. Là, il y en a que 9 là. On va y aller. Ah oui, justement, c'est pour ça que. Eh bah, à 2, on passe pas. Non, on passe pas à 2. Là, à gauche là. C'est par l'autre porte. Oh, je suis plein. Ouais, moi aussi, ouais, je suis plein. Hop, mets-moi ça dans le quad là. Je vais aller vider ça vite fait. Le pick-up, il est plein. Eh bah, suis-moi avec le pick-up, tiens. Suis-moi avec le pick-up, je vais te montrer. Enfin, si t'arrives à conduire, si t'es mieux que Dark, t'es. Oh, conduis très bien. Conduis comme une vache espagnole dans un magasin de porcelaine. Hop là. T'es parti par où parce que. Tout droit là, tu descends. Appuie sur M, ça ouvre la carte. Ah mais il y en a encore à l'intérieur de la viande. Oh, pour rouler au volant, au clavier. Au clavier, en plus la conduite, elle est comment te dire qu'elle est, elle est pas ouf, t'es. Elle est vraiment pas ouf, t'es. Elle est très réaliste. Saucisse de bœuf, de toute façon on n'a pas de multiplicateur, on a que de la viande de merde. On est à 1400. Rendez compte, 12, 24, 48. 48, 1440. Paf. C'est pour ça qu'on fait le ménage. À deux, on passe pas. On passe par l'autre porte, on dirait le dialogue d'un film du samedi soir. Eh, pas mal celle-là. Ça passe encore le samedi ? T'es encore Canal Plus, toi ? C'est à gauche ou à droite, là ? C'est là où je suis, là. Merde, c'est là où je suis, là. C'est pas en bas. Attends. Regarde la carte, c'est là où je suis. Moi, je suis où ? Je suis le point rouge, c'est ça ? Waouh, j'ai failli renverser sur le clavier, j'ai eu peur. Moi, je suis le point rouge. Toi, t'es le point jaune. Jaune. Non, moi, je suis le point rouge, moi. Bah alors oui, t'es le point rouge. Ouais, ouais, c'est inversé. Ouais. Putain, à chaque fois que j'avance, là, j'appuie sur E et je sors du véhicule, tu sais. Tiens, sinon, retourne. Tiens, on échange de 4x4. Tiens. Prends le buggy, ramène ça à la ferme là pour qu'il ait les glacières. Et moi je vais rentrer là. Les plaines, elles sont toutes pleines là ? Ouais. Non. Bah si. Oh putain. Voilà. Bah là, il y a de l'argent là. Là, il y a de l'argent là. Blindax comme ça, il y a vraiment de l'argent. Hop. Tac. Estimation ? Est-ce que quelqu'un veut faire une estimation ? Est-ce que ça vous dit de faire une prédiction ? T'as combien de trucs ? Ah bah ils avaient qu'à regarder. Il y a combien de trucs ? Oui, il me prédit. Alors il y a 3, 6, 8, 9, il y a 10 glaciers. 10 glaciers, on peut mettre 12 dedans. Donc voilà. Si vous avez suivi, 10 glaciers, 12 dedans. Donc on dit plus de 3000, plus de 2000 ou moins de 2000. On va faire ça, ouais, on va faire plus de 2000. Non, peut-être. Ouais, on va pouvoir partir avec l'autre camion, Anto. Hein. Je peux partir avec l'autre camion, il va être plein là. Le juste prix. Ah merde, je suis sur le sondage, c'est pas le sondage, c'est une prédiction. Ah, Anto. Ouais, il va le prendre, t'inquiète. Comment avec le plan camion, tu peux partir. Ouais, je m'occupe de charger les trucs si tu veux. Allez, on va dire 3000. Allez, plus de 3000. Voilà, ou moins de 3000. Voilà, attention. Tiac. Alors la prédiction, on va la mettre sur une minute, les enfants. Hein, parce que voilà. Comment vous dire ? Sinon, ça va être long. Tiac. Et c'est parti. Allez-y. Combien va nous rapporter tout simplement la vente de toutes ces glacières là. En sachant que il y a du porc, mais il y a aussi. Ah non, il y a que du porc là.
Je crois qu'il y a des... Ah non, il y a des saucisses, il y a tout ça, là, voilà. Hein. Il y a un peu de tout. Et gros, il y a tout le monde qui est en train de se barrer, là. Tout le monde qui est en train de se barrer. Gros, oh, un porc juré, elle se dégage. Schizo, il va arriver, il va dégommer tout le monde. Faites attention. Non mais vas-y, ça fera le ménage, il y a un ours qui passe dans le coin, et ça va manger. Et gros, maintenant, il y a une vache qui se barre, là. Tu commences à tu commences d'être riche avec 12 patates. Attends. Ah bah, bon. On est pas mal. On est pas mal. Attention, fin de prédiction. Les gagnants. Les gagnants sont. Et on est là pour 4613$. Je, tous ceux qui se sont pas gourés. Putain, 4600. Et on commence à être riche de chez riche. On va pouvoir aller chercher un cheval. Ouais, mais je finissais de remplir le camion là. Du coup, je vous lâche la prédit. C'était plus. Bah attends, bien sûr. Anto, tiens. Anto. Merde. Je suis où moi? Choisir la réponse plus. Mais, il est perdu. Attends, mais elle est où ma glacière moi? Perdu, elle est là, elle est là. Anto, t'es perdu. Tiens, hop. Allez, jeu comme ça, tu le sors de farming, Anto, ça y est, les paumés. Hein. Il est compliqué, tiens. Elle jouait beaucoup à farming. Beaucoup à farming et beaucoup à farming. Et tu l'amènes sur Ranch, il est paumé. C'est le même jeu, hein. Juste plus compliqué, hein. Plus de RP, mais c'est pareil. J'ai des problèmes avec les touches, je peux pas jouer avec mon volant. Hop là. Bah GG à ceux qui ont ramassé le jackpot, là. GG à vous. Eh merde, t'es loose. Pas de chance. T'es pas de chance, c'est pas grave, ça. Le malheur des uns font le bonheur des autres. Par contre, moi, jouer à 10 FPS, là, ça va me saouler. Et qu'est-ce qui tire en gros de régler. J'essaierai de régler le problème le week-end prochain. Là. Vas-y, sors le camion, là. Sors le camion, là. Le premier qui dépasse la route, là, tu vois. Ah putain, mais il y a encore de la viande là-dedans. Anto, t'arriveras, le... Hop, on va faire ça. Cac. Wouah. Il y a toutes les glacières du pick-up sont... Ah si, on peut me les envoyer. Bah elles sont là, hein, vas-y tu peux. Ah ok, on y va. Dedans. Toutes les glacières sont vides donc tu peux y aller. Putain, c'est bien rangé dis donc. Le cochon il s'enfuit. Laisse-le s'enfuir le cochon, t'inquiète. Cochon, c'est le cochon. Ouais mais il faut qu'on... Tout est bon dans gaffe. Le cochon. Il faut garder une femelle hein. Bah je sais pas ce qu'il nous reste. Accessoirement est mal aussi. Eh, hey, les caissettes pleines, essayez de les mettre en haut. Hein. Ah, le bœuf, tu peux en mettre que 11 dedans? Bah oui, c'est plus 12. Gros. Ouais, d'accord, ok. Ouais, le souci, c'est que je crois que c'est que des mâles. C'est que des mâles. Que des mâles en quoi? En cochon, là, pour le moment. Non, c'est une femelle. Si, parce que lui, c'est un mâle. Lui, c'est un mâle. Regarde, il a pas de tétine. Et elle, c'est... Ah, lui, c'est un mâle aussi, donc celui-là, on peut le buter. Vas-y, bute-le. Il reste quoi de l'autre côté, Anto, côté saucisse et tout ça, là? Il n'y a plus rien, j'ai tout est chargé, tout est parti. Tout est parti, là, on a 4 glacières. Bah, les saucisses, il reste des saucisses, mais en viande, il n'y a plus rien là-haut. Mais là, on a 4 glacières, je pense qu'on va les garder, ceux-là, non? Sur le toit là, ils sont comment sur, ils sont sur le toit là. Celles qui sont sur pleines. Le toit, c'est celles qui sont pleines. Donc lui, pour moi ça on le garde, on garde les petits jusqu'à qu'on ait une femelle et tout le reste on le bute. Faudra le tuer. T'as un cochon là, il y a un cochon dehors là. Cochon dehors. Il est mort. Cochon est mort. T'aurais dû buter le cochon dans le camion. Comment te dire, celui-là, je suis pas sûr que je peux le dépecer, tu sais. Vraiment pas sûr. Hop là. Voilà, déjà, on est un peu plus propre. On a la trieuse. Les veaux, c'est bon. On a toujours le mal dans le truc. On prend du coup les 4. Les 4 glacières, du coup, on les met en saucisson, c'est ça? Et on prend ce qu'on a dans le camion pour les faire aussi? Ouais. Là, comment te dire qu'on est, on a assez d'argent. Hop. Ah oui, là t'es milliardaire même. Ouais, milliardaire peut-être. Ah là, pas, il y en mais... a quatre, les quatre dans le quad, elles sont aussi.
Moi, je vais aller chercher un cheval pour finir ce live qui va être pas mal. Aller chercher un cheval. Je vais négocier un cheval, j'ai de l'argent. Tu sais. Ouais, mais ah ouais, faut... par contre, il a pas d'endroit pour les... pour balader. Hein. Parce qu'on a pas fait le bois encore. Ah oui, on a pas fini le bois, merde. Bon, on le fera la semaine prochaine. Je vais regarder déjà, juste appuyer sur E pour sauvegarder. Pourquoi je peux pas. C'est dans quoi? C'est là. Un E pour aller aux enchères. $50. On va aller regarder. J'arrive avec toi, Schizo. Ah ouais, mais il y a le camion qui est plein. Oui, le camion est plein. Le camion est plein, faut faire des saucisses et tout. 4200, 4000 la moyenne. Vous avez fait la traite, les gars? Ouais. Non, il faut la faire. Je l'ai pas faite encore. 5700, endurance, vitesse, maniabilité, santé. Ah, il y a vraiment tout, quoi. Endurance, il n'y a pas d'endurance, le truc, là. Elle coûte pas cher, la maniabilité. Je vais aller faire la traite. Vous entendez le bruit de fond, là? Non. 7000$, je l'achète direct, juste parce qu'il est trop cher. Oh. N'importe quoi. Endurance, vitesse, maniabilité, santé. Et à fond. Non mais c'est le... Allez, viens là, toi. Il veut pas me lâcher. Oh là là, les sauvages. Les sauvages, le prix monte, il s'arrête plus. Qu'est-ce qui se passe? 8400, je vais pas avoir assez de sous, je vais pas pouvoir l'acheter. Mon dieu. Ouais, oh, ils vont s'en surenrichir par-dessus. Eh, vas-y, je suis curieux, je veux savoir à combien ils passaient. Ça me rappelle un jeu Steam, ça. 8800, tu vois, j'aurais même pas eu la thune, je peux même pas surenrichir. Il va partir à combien, celui-là? 8000. Il est parti. Ah, non, je peux pas vendre, j'ai pas de chevaux, moi. 8000. Comment te dire? C'était pas mal. 8000$, un cheval bien entraîné et tout. Comment te dire? Alors, je sais pas combien de temps ça prend pour les entraîner, mais... Là, on va faire de la gestion de bouffe. Une fois que la gestion de bouffe sera faite, normalement, on devrait être bien. Dark, du coup, là, on est revenu en mode tranquillou pour les cochons, ouais, c'est ça? Pas encore. Parce que moi, je t'ai dit, il faudrait que tu gardes une grosse femelle et un gros mâle et tout le reste, une fois que c'est... Là, on a plus de femelles. Moyenne. Ouais, c'est pour ça que j'attends que les petites. Faut attendre les petites qu'elles grossissent pour voir si c'est pas des femelles. Okay. Il n'y a pas une femelle et tout le reste, tu le tues. Ah, attends, parce que du coup, ils ont bouffé énormément de bouffe. Comment te dire que là, il n'y avait plus rien? Oh, Sab qui me paye un café. Attends, bouge pas, je suis en retard. Je suis en retard parce que j'en ai encore dans la tasse. Et puis, j'en ai même plus de la moitié. Oh, il y a des œufs par contre. Hein. Ah, c'est ce qu'il dit, JM. Il dit vers les poules, ça doit être Bagdad. C'est parti voir. Ah, les poules, le problème c'est que... Oh, t'es sérieuse toi? Viens voir là toi. Et je t'attrape pas la tête. Je te monte à là, ces messieurs me disent. Trempez là dans l'huile. Ah ouais, t'as des œufs. Oh mon pote, t'as des œufs partout. Regarde en bas de l'escalier là. Ouais, j'ai vu. Et là dans le coin là. C'est pareil, là, t'en as partout. Fais le plein de nanœufs. Ramasser la merde. Hop là, de toute façon il est 17h42, moi, donc comment te dire que... Moi j'ai, par contre j'ai trouvé le... comment ça s'appelle? Le poulailler parfait pour ça. Pour pas avoir les ramassés au sol. Par contre ça fait usine. Hein. Ça fait usine? Moi je... Ouais, c'est... Ah c'est le petit là avec les tiroirs? Ouais. Ouais, alors ça fait plus qu'usine, moi je veux qu'elle soit en liberté. Moi. Ah je, ouais, je veux les laisser vivre, tu sais, les pauvres poules. J'en ai mis 20 là-dedans. Et qu'il y avait, elles sont en mode usine là-dedans. Ah bah ouais, tu m'étonnes, mode usine là-dedans. Ouais. Les porcs. Les porcs. M'en fous, moi. J'ai hop là. C'est pas grave, prends le temps. Anto, là, toutes les glacières sont pleines, là? Non, il reste 3 vides. Desquelles? Elles sont où, tes 3 vides? Ah, j'ai vu. À gauche. On peut prendre les saucisses, hein. Elles sont prêtes. Hein. Okay. Si les 3 vides sont... Celles-là aussi sont vides, là? Ah non, elles sont pleines aussi. Ce qu'il y a dans le 4x4 sont pleines aussi. Le fromage est prêt aussi. Hein. On est à l'autre machine, hein, s'il faut. Hein. Mais là, attends, regarde ce qu'on va faire.
Hop. Là, on a 4-4 le buggy. C'est quoi? On va. La semaine prochaine, on va faire tous les saucisses et tout là. Et la semaine prochaine, on se fait le camion rempli. Alors, pas rempli de glacière, mais rempli de tout ce qu'on peut, maximum, dedans. Même quitte à aller chercher des glacières, de toute façon, j'ai de la thune. Et on se le remplit le camion et on se vend un camion complet bien bien dé. Il est ici. Elle est là. Il est là. Hop là. On va se vendre un camion complet. Alors attends, bouge pas, on va faire ça. Parce que du coup les trois vides, je pense que tu vas t'en servir pour le. Pour vider ton sécheur. Ah, mais y'a plus rien dans le sécheur. Y'a plus rien, j'ai déjà tout vidé. D'accord. Le fromage, il est. Par contre, Kizo, t'as vu le fromage où il a mis de la viande, ce que ça a fait? Ouais, ça a fait un fromage rouge. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Bah, je sais pas, j'ai jamais. Bon, on essaiera de le vendre, on verra bien. On va mettre les fromages dans le fond. On mettra les glacières en dernier. Ouais. Ah, tu peux pas. Tu peux pas mettre les fromages dans le camion? Ah, si. Je croyais que tu pourrais pas. Ah bah y a légèrement bug là. Voilà. Attends, on va mettre les fromages. Hop là, voilà. Nickel. Ça va être pas mal. Alors, café, on a dit. Putain, mais j'ai pas fini celui-là. Oh. Allez, un truc light à cette heure-là, s'il vous plaît. 23h. Un truc light. Ah, jus d'orange. Ah bah ça tombe bien. Ça tombe parfaitement bien. Il va falloir aller dormir les gars. 19h11. On n'a pas fait les traites de l'autre côté. Si, c'est fait. Si, c'est fait. Bah oui, il reste plus qu'une vache. Ça c'est du porc. Hop. Emmenons toutes les glacières. Hop. Ah oui. Tac. Il y a toutes les glacières à ramener là. Ça c'est quoi ça? C'est plein ça? Ah oui, c'est plein. Comment ça, il reste plus qu'une vache? Oui, Skizo, il en a tué une. De quoi? Il reste qu'une vache? Non, il reste pas qu'une vache. Bah si, t'as tué l'autre. Bah ouais, mais j'en ai tué qu'une. Mais pas tué, il y avait trois. Oui, mais... Non, il y avait deux vaches et un taureau. Il y avait deux vaches et un taureau, ouais, il n'y avait plus qu'une vache, oui, pardon. Ouais, j'ai buté une vache, oui, pardon. J'ai même buté un veau, je me rappelle bien. Je suis l'assassin. Comment te dire? J'ai fait ce que j'ai pu et ce que j'avais. Hop là. Du grand Babybel. Ouais, c'est ça, c'est un gros Babybel. On a fait un gros Babybel, tu sais. C'est le Babybel. Le Babybel. Une petite boule. Une petite boulette. Une boulette. On peut faire de la boulette aussi, hein, s'il faut. Non. Allez, on va faire... Il repleut. On va le faire normalement. Là. Hop, tac, tac. Alors, on a des séchoirs de l'autre côté. Après, on peut... Franchement, on sera assez riche pour acheter en double si on veut. On va te dire que... Là, elle est pleine. Là, le pick-up, il est encore plein de machins, quoi. Hop là. Rendez compte les glacières qu'on a, là. C'est devenu l'industrie. L'industrie du cochon, moi. Du grand Mendes qui dit... Ça, c'est du grand Mendes. Ça va, tu t'en sors, Anto? Ouais, ça va. Le pauvre, c'est répétitif comme pas deux. Hop, allez, pause. Voilà, tac. Imagine tout seul, alors. Non, mais tout seul, tu pètes un plomb. Tout seul, tu pètes un plomb sur ce jeu, tu sais. Je vais être à court de lait bientôt. Hein. Mais t'as court de lait, bah c'est pas grave, on va aller dodo. Ça moisit pas dans le camion, hein. Ça va pas moisir dans le camion. Et regarde, retourne-toi derrière quand tu vois toutes les glacières que t'as encore à faire. Comment te dire que on va aller au fil du temps, comme ça, ça va permettre de pouvoir faire la scierie et tout. On vendra pas tant qu'on aura pas le camion. Tant qu'on aura pas le camion blindé, on vendra pas. T'sais. Allez hop, tac. Ça marche. Et t'es sage, hein. Fais pas de bêtises. Hop là. Ça c'est quoi là? C'est pas plein encore ça? Le fromage, t'as mis du fromage en route, chef? Bah non, étant donné qu'il a pas, il a pas de lait déjà pour lui. Voilà. Eh sinon on rachète une ou deux vaches, hein.
Mais le camion est blindé. On va faire le jus d'orange. Vite fait, le jus d'orange. Ça, on peut pas acheter de vache, on n'a pas de... Le magasin, il est fermé, il faut qu'on aille dormir. Là, faut aller dormir. Faut aller dodoter. Viens pas foutre la merde, toi. Qui c'est qui fout la merde? Qui c'est qui t'embête, Anto? Dis-le-moi. Ton avis, qui? Regarde. Il est pas assez rapide. Ah, voilà, voilà, bravo. Laisse-le dans son rythme, là. Parce qu'après, tu vas faire des boulettes. Comment te dire, les boulettes, c'est des boulettes, hein. Attention, un jus d'orange industriel Nespresso. Comment te dire que le truc est plus chimique que des fruits, hein. Butez tout et repartez à zéro bien comme il faut. Non mais on va surtout finir les bâtiments. Oh bah ça sera le dernier parce que j'en ai plus. Plot. Oh putain, j'ai pas été en course. Oh merde. Oh fichier. J'ai oublié d'aller en course. Oh putain, j'ai fait le con. Mais carrément que j'ai fait le con. Vous y croyez que je l'ai fait chaud? Mais non. Mais si. L'habitude de faire le café. Ah, du jus d'orange chaud, ça doit être pas être mauvais, hein. Ah non, c'est dégueulasse, arrête. Ah merde. Ah, je suis dérouté, j'ai plus de flotte, quoi. Ah, je suis dégoûté. Ah, désolé. J'ai fait un jus d'orange chaud. Je le laisserai, je le boirai demain matin. De toute façon, vu la gueule du chimique. Un jus d'orange, jus d'orange Nespresso. Ouais, jus d'orange Nespresso. Et je mets les capsules dans la... Dans la Nespresso, la Dolce, là, derrière, là. Dolce Gusto. Dolce. Dolce Gusto. Gusto. Capitaine Gusto. Attendez, j'enlève ça, la roue, là, gêne. Hop là. Allez, zoom. Du coup, je suis désolé. J'ai merdé sur le café. En tout, on a la deuxième, hein. On a la deuxième maison pour... Pousse-toi, Dark, là, tu gênes. Ça comment ça, affreux. Je te gêne? Ouais, c'est limite dégueulasse. Bah, c'est bon, en fait, au départ, c'est bon. Il est assez ressemblant à, on va dire, normal. Mais c'est à la fin. À la fin, tu sens bien le truc chimique, tu sais. Tu sens bien qu'il y a un truc qui colle pas, tu sais. Vous vous rappelez notre ancienne maison, là? Maintenant, ouais. C'est la maison des ouvriers, là. Hop, j'allume la lumière, comme ça, vous serez contents, vous pourrez voir. Hop. Allez dodo les gars là si vous voulez là. Comme ça vous aurez du lait pour demain matin. On va dodo. Vous direz, oh, vous direz... Lesquels, hein. Non bah j'allume les lumières. Hop. Voilà. J'allume, c'est Versailles. Parce que ici il y a une cuisine aussi, hein. Ici il y a une cuisine. C'est juste que la maison est un peu loin. Mais il y a une cuisine et on avait foutu il faut peut-être racheter le matériel. Peut-être que je rachèterai le matériel en double. Comme ça, on pourra faire des deux côtés. Enfin, plus rapide. Ah ouais. Je sais pas combien on peut monter ici en stockage et tout ça. T'sais. Enfin, pas en stockage. Je veux pas aller dormir, Anto. Fini, oh. Il reste deux de lait, là. Le deux de lait, on pourra pas les utiliser, je crois. Hop là. Ah si. Tu as été sponsorisé pour leur nouveau produit à force? Non, j'ai pas été sponsor. C'est pas une sponsor, la Nespresso. Il faut que je leur demande, d'ailleurs. Faut que j'arrive à les taquiner la marque, leur envoyer un mail et arriver à les taquiner. Alors bon, c'est pas comme si on mettait pas la marque en avant quand même. Hein. Un tout petit peu, donc il faudrait qu'on essaye de taquiner, voir ça avec eux. Mais j'attends de tomber un mec, il travaille chez Dolce. Il a peut-être une adresse ou un contact assez proche. Ça aurait pu être marrant. Il y a peut-être un chouï loin aussi pour arriver à faire une bonne OP. Non, j'appellerai Krups, pour ceux qui ont vu la vidéo. Ça, c'est la maison des ouvriers. Là, ils ont un poulailler aussi s'ils veulent. On est tellement blindé en thunes que franchement. C'est quoi, je vais aller faire des courses. J'ai l'achat de shift. Achète des vaches. Pourquoi tu veux acheter des vaches? Pourquoi tu veux que j'achète une vache? J'en sais pas. Une vache laitière? Parce qu'elle est encore enceinte, l'autre. Hein. Laquelle? La seule qui reste. La vache laitière. Ouais. Ouais bah elle est enceinte, c'est bon, c'est nickel. Donc on va faire des petits.
Là, s'il faudrait leur faire, c'est un prêt. Un grand prêt, tu sais. Il faudrait qu'on se promène avec la treilleuse après, si on a besoin. Là, je vais chercher en double ce qu'on a besoin, là, style... Si on sait jamais, la semaine prochaine, s'il y a des gars qui veulent jouer avec nous. Fais ta clôture. Ouais, faut qu'on fasse la clôture aussi. Bah, ça, on s'en occupera. Je vais m'attaquer à ça, là. Je pense qu'on s'en occupera gentiment après. Gentiment après. Là, je vais juste faire des petits achats compulsifs. Des petits. Hop là. Putain, il est où le jerrycan ? On est tellement riche que le mec il a oublié une levure chimique. T'es. Merde. Merde là. Il est en train de ramasser les restes là, les ouvriers là. Ces bandes de mauvais là. Je vous jure. T'as une énorme stabule, celle de farming. Comment te dire ? Non ? Ce serait pas juste. Vache laitière, 650, on a largement les moyens, tu vois. Il n'y a pas grand chose qui peut nous arrêter en fait. Alors, un peu de balles, ça c'est sûr. Je vais lui acheter le hachoir et le truc. Ok, j'aurais dû prendre la remorque. J'étais trop con, j'ai oublié la remorque. Ça. Et le taureau à viande, vache laitière, c'est ça. Je voulais de vache laitière, je vais essayer de prendre la vache, mais je suis pas sûr que ça marche. Tac. Prendre 2 balles. Hop, voilà. Là. Voilà, c'est pas mal. Viens voir là. Je vais mettre directement dans la voiture. Transporter. Charger de gros, il faut tout d'abord décharger le véhicule. Non, il faut que t'enlèves tout ce qu'il y a dedans. Pour pouvoir mettre la vache. Ah, mais c'est que c'est tombé dedans. Putain. Alors, attends, on va faire ça. Hop. Eh, viens là, Martine. Oh, Brigitte. Reviens. Pour transporter l'animal. Eh, ça marche pas. On peut pas mettre de vache dedans, je parie. Ah, si, c'est bon. Si, c'est bon, je l'ai. Alors. Hop, là, ça passe dans les pattes. Nickel. Ça, c'est pour Anto, ça. C'est l'industrie au fond, ça. Ah, le bois, ça marche mieux que ce farming. Hein. Ah bah, le bois, c'est fou comment ça marche bien ici en fait. Ça bug pas. Est-ce qu'il y a des œufs pour moi ou... Hein ? Est-ce qu'il y a des œufs pour moi ? Ah, non, il n'y a pas d'œufs, mais comment te dire ? De toute façon, le reste des sous, on va le passer en métal parce qu'on va peut-être refaire un poulailler correctement. Casseroles, oui, des casseroles. Oh oui, bien vu, des casseroles. Putain, des casseroles, il en faut combien ? 2, je crois. Il en faut mais de toute façon, il faut que tu reviennes pour. Tu peux rien mettre avec la vache. Ah, si. Oui, bien sûr que si. J'ai la galerie hein, sur le pick-up. Eh, m'a pris pour. A de la place, moi. Écartons entre les cuisses des vaches, là. Hop. Merde. C'est pareil, je mets tout dans le haillon. Je n'ai même pas besoin de charger. Je peux même encore aller chercher. Tu sais quoi, je vais même faire le fou. Je vais aller chercher des plaques de. Merde. Hop là, voilà. Je vais aller chercher des plaques de. Les plaques de fer. T'sais. Hey la vache, on se promène, accroche-toi. Ça va voler. T'aurais pu fermer la porte. Non, je veux pas qu'elle ait peur. Si je ferme la porte, elle va s'affoler, elle va sauter. Là, la porte ouverte, elle a l'impression de prendre l'air. Et le pire, c'est que pour le bois, t'as la remorque, hein. Il faut prendre le pick-up et la remorque. Hein. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais descendre en bas, je vais aller chercher de la ferraille. Hop, donc on y est. Tac. Comme ça, on pourra refaire un double poulailler si tu veux. Et essayer de faire le. Comment ça s'appelle ? Oh merde, j'ai perdu le nom. L'enclos à vache correctement, tu sais, un petit enclos. On peut les lâcher, tu sais. Parce que là, les pauvres. Peut-être un enclos à cochon aussi. Séparer les enclos. Celui-là. Alors. Il y a la tondeuse aussi qu'il faut. Faudra se payer le délire de le faire, mais ça, peut-être le prochain coup. C'est pas ici qu'on achète la ferraille ? Ah, si. J'ai eu peur. Alors.
Ajouter 1000$. Tu peux acheter une Siri en plus. Pourquoi deux Siri? Tu rigoles quoi? Toi, pris pour un milliardaire. Je te calme, Martine. Ah, c'est avec la. T'en as deux des Siri, hein? T'as l'ancienne et t'as la nouvelle, hein? T'en fais deux. Bah, l'ancienne. Ah, l'ancienne, elle est un peu plus longue que la nouvelle, mais bon, ça t'en fait deux quand même, tiens. Alors attends, bouge pas. Hop. Là, c'est juste le bordel, ça va être pour le mettre. Hop, sur le toit. Tac. Salut, salut. Salut les gars, salut à tous ceux qui viennent de rejoindre. Hop là. Oh putain. Là, ça rigole pas quand même. Ça rigole pas du tout là. Hop là. Un peu de ciment, hein, parce que je sais que les gars vont vouloir construire. Après, il y a de fortes chances que t'asso avec tout ce qu'on aura en vente derrière dans le camion, que t'asso on va devoir remettre des moulins et un silo, c'est obligé. Ah ouais. Obligé. Il va falloir remettre le truc correctement. Hop là. Chargé, chef. J'arrive. Brom brom. C'est vrai que le 4x4 va bien, moi. Il est pas dégueulasse celui-là. Salut, salut, salut. Ah putain, je regardais le chat. Tchac. Oh mon. Et c'est parti. Et on se promène. Et on fait tourner les vaches. Tout loulouloulou. Et remonte-toi. Ça se passera bien. Elle va pas bouger la vache. Elle va pas bouger. Hop, c'est à gauche là. Là, il faudrait abattre cette forêt ici là. Putain, ici, il faudrait venir avec le truc là. Allez faire un bout de bois pour vous montrer à ceux qui n'ont pas vu là, les bouts de bois là. Vous montrer comment ça se passe les bouts de bois, vous allez voir. C'est magique. Hop là, on va remettre la vache là tout de suite. Alors fais voir la vache. Pour faire sortir. Et tu te sauves pas. Voilà. Viens là. Allez viens Martine. Allez viens. Allez viens les copines. Voilà, nickel. Bah, les cochons c'est pareil, on commence à avoir encore un peu beaucoup des cochons. Cochons, il va falloir leur faire un enclos à cochons, mais un enclos plus restreint au pire. Et l'autre il attend devant la porte là, casse-toi là. Hop, hop. Tu sortiras pas. Dommage qu'il n'y a pas d'autres modèles de grange en fait. Ouais. C'est vraiment dommage qu'il y ait des modèles. Après les modèles. Enfin les granges, tu peux les personnaliser un peu, hein. Tu peux les agrandir. Hein. Tac. Non, ça c'est pour la maison du fond, ça j'ai dit. Hop. J'ai fait le con. Mets les vaches dans l'autre grange. Bah l'autre grange en fait c'est pour les chevaux parce qu'il y a l'enclos à chevaux à côté là. Donc je voudrais pas perturber. Là on va refaire, c'est une grange dans le coin là. Faudrait que il faudrait une grange et un silo ici là. Merde. Histoire de dire. J'avais pas vu qu'il y avait tout ça encore. Alors attends, la cuisine elle est où ici? Elle est là. Hop. On va pouvoir le mettre là. Tac, là-dessus. Tac. La treilleuse, je pense que c'est les treilleuses, c'est pareil, les treilleuses électriques, on va pouvoir en prendre quelques-unes après. Oh, pas dégueulasse. Tac. Ici, on a toujours notre installation qui va bien, normalement. Hop. Et surtout que les vaches, là, il faut leur faire un petit endroit, tu sais, tranquillou, tu sais, qu'elles puissent se promener un peu, tu sais. Alors, le hachoir. Là. Tac. Et derrière. Ah, je me suis gouré, je crois que c'était le. Ah oui, c'était la scie avant le hachoir. Merde. Autré. Hop. Hop. Là. Tac. Et toi, tu sors de l'autre côté. Là. Voilà. Ça, on a deux endroits pour le séchoir, plus la petite armoire. C'est impeccable. Anto a changé de tête. Comment ça, Anto a changé de tête? Non, il a toujours la même tête, je crois.
C'est Dark que t'as dû croiser. Dark que t'as vu. Hop là, on va se mettre là. Tac. Ici, on a encore du métal, donc on va le mettre là-dessus. Ah, si ça passe, non, ça passera pas. Donc là, on n'aura pas besoin du 4x4 à part pour les constructions, parce que de toute façon, comment te dire que de toute manière, il n'y a plus que les constructions à faire. Là, c'est du bois à rajouter, juste du bois, du bois. T'as du bois, t'as des planches là ? T'es parti ouais. Couper où là ? Bah, derrière le hangar, derrière le truc à cheval. Derrière le truc à cheval. Attends, je te vois pas. Ah oui, si, t'es là-bas, ok. Ici, on a le métal. Il manque vraiment que les... Mais là, je vais devoir bouger, là. Il manque 100 planches, ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, toi, t'es bourrin, toi. C'est pas les empilés ? Ah si. Mais... C'est que j'abats tout avant de pouvoir tout empiler. D'accord. Regarde ce qu'il y a dans la remorque, déjà. C'est quoi, c'est des planches dans la remorque ou c'est du bois ? Non, c'est des planches. C'est des planches ? Ah oui. Ah oui, t'as quelques petites planches. Nickel, ça. Merde. Nickel. Merde, je suis con. Voilà. Pour la vache qui était à sa place dans la voiture au début que quand vous chassiez. Attends, j'ai pas compris. Pour la vache qui était à sa place au début. Anto a changé de tête pour la vache. Ah oui, pardon, putain, j'avais pas fait le rapprochement. Ouais, désolé, la fatigue. Vous allez chercher le pick-up. Ouais, prends le pick-up. Fermez le haillon. Prends le pick-up, bien. Fais gaffe, pick-up, il est chargé de fer et de ciment. Mais tu l'as mis où ? Il est garé à côté du silo. J'ai vu. Du coup... on a la grange à chevaux, qui va être juste à côté, l'entraînement aussi. Normalement, on aura tout à proximité, donc ça devrait pas être dégueulasse. Après, de l'autre côté, je pense qu'il va falloir refaire une grange, mais pour les poulaillers, on en a un autre, hein, au pire. Ouais. Hop, on va où pour faire du bois, là ? Là, déjà, à droite. On va déjà essayer de construire le truc, là. Voilà dedans comme tu veux mais... Moi j'aurais essayé de construire, bah je suis à côté, attends bouge pas, on va faire ça. Ah mais attends. Non mais bouge pas, regarde. Je suis juste à côté. Et là il en reste 30. Hop, on va ramasser. Ça devrait bien se passer. Tac, 36. Voilà. Hop, petits allers-retours, on va construire ça, ça sera toujours ça de fait. Sur les chevaux, tant qu'on n'aura pas vendu le camion, on pourra pas vendre les chevaux. Faut qu'on arrive à se démerder avec les sous qui nous restent pour faire entièrement toutes les constructions. Si on arrive à faire toutes les constructions, là, il nous manque pas grand chose, hein, il nous manque une grange à rentrer. Ça devrait bien se passer. Bah. Ah et puis il faut que j'abatte un arbre, que je leur montre comment ça se passe. Un arbre ici, regardez. Appuie sur E, tu coupes. Hop, l'arbre il tombe. Boum. Hop là. Tac. Et t'as des rondins. C'est pas magique ? Est-ce que c'est pas magique ? Tac. Et là, voilà. Voilà, t'as des rondins. Et les rondins, tu les mets dans la scierie là-haut, là. Je vais vous montrer parce que la scierie, elle est là-bas, donc je vais pas le faire chier. Là, tu mets dans la scierie, là. Appuie sur eux. Et hop, ça fait des planches. Pas magnifique ? Magnifique os, moi. J'aime bien. Salut. Comment tu vas, Dan ? On aurait deux séries comme ça, là. Tu fais à la chaîne, hein. Ouais, mais comment te dire que pour l'instant, t'as pas besoin forcément de tout ça, quoi. Pas besoin d'avoir deux séries. Elle va servir peut-être en cas de renfort. Suite, mais... Là, je sais même pas si le bois, il repousse dans le jeu, donc... Il y a assez de bois sur toute la map. Hein. Je sais pas, hein, parce que en mode industriel, tu sais, on a vite fait de tout niquer. Hop là, ça c'est fait, c'est mignon ça.
Yuli. Un truc de construit, ça c'est cool. Hop. Tac, je vais commencer à faire les planches de l'autre côté là. L'enclos. L'enclos pour les chevaux, ça va être l'enclos pour les chevaux. Ça va être le spécial chevaux celui-là. Alors, Là, il n'y en a pas assez, ok. Ça va être le spécial chevaux. Ici, ça va être le spécial vache, je pense, parce que c'est pas trop loin de la maison et ça va être pratique. Le silo est encore à collision. Là, ça va être pour les promener, les chevaux, ils auront de la place pour se promener, ça va être nickel. Ça va être ici pour les entraîner. On aura toujours ce poulailler là. L'autre côté, je pense qu'on va mettre les cochons. Les cochons avec les poules et on va refaire un silo. Là, si je passais en mode construction. Alors, si je passais en mode construction... C'est pas là. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est ça. Voilà. Alors, on va peut-être regarder le rayonnage. Le rayonnage devrait pas être loin. On va se mettre... Alors, si je mets la grange de l'autre côté, il faudrait qu'on mette la grange derrière. On va mettre le silo par là. Le rayonnage de la maison avec le truc, ça devrait pas trop le faire. Hop. Ça. Ah, il faudra faire la traite des vaches. De la... Attends, parce que là, je suis pas du tout ouais, dessus. Ouais, non, t'inquiète. Je suis pas du tout dessus, là. Hop là. Tac. Là. Comme ça ici, on dégommera les arbres. Voilà. Comme ça ici, on dégommera les arbres et en dégommant les arbres, on pourra remettre une grange et on remettra les cochons de ce côté-là. Je pense que ça sera mieux. Comme ça, les cochons, on leur fera une grande prairie derrière qui va bien. Ah ouais, c'est pas du farming. Ah non, on n'est pas sur farming. Là, on est sur Ranch Simulator. Ah, c'est pas du farming. C'est complètement différent. Mais ça va arriver à peu près comme farming parce que la mage de cet été. Ça va permettre de pouvoir acheter les tracteurs, de apparemment labourer les champs, ouais, c'est les champs et tout. Ils ont intégré les cultures. Mon réservoir est vide. Ça pourrait être sympa. Anto, tu t'en sors? Bah ouais. Nickel. J'ai fini les saucisses, j'ai plus de lait. T'as plus de lait. Ah, t'as plus de lait. Bah tiens, c'est l'heure de la traite. Hein. Tu peux y aller. Hein. Normalement. Hop. Comment te dire que je suis en train d'abattre une forêt, moi, là. C'est le taureau qu'il faut traire, c'est ça? Ouais, essaye de traire le taureau, on va voir la gueule qu'il fait. Tu peux pas? Ah bah... On déconne. T'es sûr? J'ai un doute, moi. Regarde, peu pour libérer. Mais non, reviens. Ah putain, mais j'ai acheté deux taureaux, quoi. Ah non, c'est qu'on a deux taureaux. Oh, le boulet. Non, on a deux taureaux. Allez, viens, toi. Viens de faire traire. J'ai peut-être acheté un taureau, je sais pas. Franchement, j'ai pas fait gaffe. Hop. Tac. On va aller chercher la deuxième. Elle est où, la deuxième? Elle est au fond. Elle est au fond. Viens voir la vache. Au mieux de la mettre la tête dans les... Glitcher la tête dans le mur. Anto, viens m'aider. Attends, je suis un peu... coincé. Ouais, le veau est devenu un taureau. Ah, le veau, c'est devenu un taureau. Ouais, appuie sur E, ça va ouvrir la porte. Bah ouais, mais j'ai beau ouvrir la porte en fait. Ah, schizo. Ouais. Le taureau, tu peux l'abattre. Hein. Non, bah attends, laisse-le et grandir hein, si tu veux. T'auras trop de. Trop... Après, tu vas voir, ça va être comme les cochons. Hein. Merde, le truc est parti. Là, la treilleuse, par contre, j'en mettrai une à chaque coin, moi. Franchement, c'est la merde, les treilleuses. T'as du lait là, si tu veux. 29. Hmm? Tiens, Anto. Non, ça fait 3 fois que tu me dis. Si tu veux, t'as. Tiens, regarde. Hop, t'as du lait là. T'as un peu de lait. Ça, c'est fait. Tac. Et que ça? Ah bah, y'a que deux vaches pour le moment. Y'a que deux vaches. On tuera un gros taureau. Attends, bouge pas. Il est où le gros taureau là? Je me rappelle pas que j'avais pris qu'un taureau, mais j'avais bien pris une vache. Ça c'est la vache. Tu peux les traire à la main en plus les vaches. Ah c'est celui-là. Ah, je vais buter le cochon avec, je le sens gros comme une maison. Casse-toi là.
Viens là. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai affolé tout le monde. Hop là. On va aller chercher une glacière. Normalement, il y en a une à côté. Non, il n'y en a plus. Tu t'es flingué. Je flinguais un taureau parce qu'on en a un de trop. Il faut des vaches. Il faut des vaches laitières. Donc, les taureaux, comment te dire qu'on s'en fout un peu. Porc, porc, porc. Tout est blindé là. Porc, porc, bœuf, porc. Là, c'est blindé aussi. Oh là là, c'était lag ici, mais c'est un truc de fou. 12, 4, 7, 8. Ça, c'est plein. Ah oui, ça, c'est plein. Mais si c'est plein, pourquoi c'est pas dans le camion, ça? De quoi? Faut les mettre direct dans le camion si c'est plein. Bah ouais, mais... Je peux pas être partout. Mais à l'entrée, là, ils sont vides, si tu cherches un... Attends, parce que là, du coup, moi, j'arrive pas à me placer correctement. Tac. À l'entrée, elles sont vides, là, à l'entrée à droite. Attention, Schizo, tu viens de marcher sur 50 FPS. Il t'en reste plus que 10. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais, ouais, mais je regarderai pour redescendre la résolution du jeu. C'est peut-être parce que j'étais gourmand. Pourtant, j'ai rien dans le rouge. Hein. Le processeur va bien, tout le monde va bien, mais je sais pas pourquoi il... Dès qu'on commence à buter un peu de monde... Dès que ça commence à courir un peu dans tous les sens, bah c'est foutu. Quoi. C'est foutu. T'as vite fait de perdre un peu d'FPS sur la route. Hop là. Tiac, ça c'est bon. Hop. T'es reparti aux œufs là? Bah je vais voir s'il y a des œufs, ouais. Ok. Ça c'est pas le bon poulailler. Et le camion il commence à être, bien le camion. Là, c'est vrai qu'il nous manque de vaches laitières. On aurait un peu plus de vaches laitières, là, ça serait plus marrant. Et après, on va en avoir tellement. On va pas savoir quoi en foutre. Et alors, pour les traire, ça va être juste marrant après, quoi. Alors, attends, celle-là, elle est pas pleine. Y a un moment où tu vas pouvoir les tuer pour faire de la saucisse aussi. Hein. Ouais, bah oui, je me doute bien. Ah non, c'est les viandes, celui-là. Bah tu peux les tuer quand même pour faire de la viande. Ouais mais t'auras moins de viande. Ah oui t'auras moins de viande ouais c'est sûr. Le jeu est mal optimisé sûrement. Ouais après je suis gourmand, je suis en full ultra, vas-y Imhotep. Je me suis Et mis. Il faut se rappeler qu'il est en early access encore. Hein. Oui il est encore en early, il est encore en développement. Donc ils sont peut-être pas. Voilà. C'est... Mais le jeu est pas mal, moi j'aime bien. Moi j'aime très bien. J'aime vraiment bien. En plus, on commence à avoir vraiment de l'équipement de taré, tu sais, donc on te dire que... On commence à s'amuser sérieusement. Je me demande si je l'avais... J'avais très retourné. Enfin, paraît bien grosse, la mémère, là-bas, là. Voilà, la Bertha, là, viens. Viens voir, là. Je suis pas sûr que je t'ai traité, toi. T'es pas très la vache. Hop. Ah, si, je l'avais fait. Pardon. Le cochon, tu vas y passer aussi, toi? Hop là. Non, mais ça va être bon, là. On va être bien. 22, remplir, 21. Ok, hop. Là, il va être bon. De toute façon, il va faire nuit. Je pense que... Ça va être pas trop mal. Ah, imagine, il y a Anto, Dark, moi, Gabi et Kali. On serait 5 sur la partie. Pour te dire que il y aurait moyen que ça dégomme, ça envoie du steak. Ça envoie du gros steak, t'es. Hop là. Tac, tac. C'est le temps qui va pas s'avancer vite. De quoi? C'est le temps qui va pas avancer assez vite. Ouais, le temps il avance déjà trop vite, je trouve, dans le jeu. Non, mais si on est tous là. Ah si on est tous là, ouais non mais si je trouve qu'il avance quand même, il avancera toujours trop vite. Et il va y avoir plein de choses à faire, comment te dire que... C'est une impression hein, mais voilà quoi. Attention les gars, 19h39, c'est l'heure du dodo. Tout le monde au dodo. Hop. Tac. 44. Puis nous, de toute façon, on va couper là. Hein. On va s'arrêter là, tout simplement. Je vais sauvegarder et tout. On va s'arrêter sur cette partie-là. Ça va être pas mal.
Donc je répète, pour autant YouTube et Twitch, mais si vous voulez venir avec nous, vous êtes la bienvenue. Je sais pas combien on peut être en multi. Si vous avez l'info, vous me le marquez en commentaire. Ou vous me le dites dans le chat, hein, tout simplement. Tous les vendredis, ça sera à Ranch. Voilà, on va essayer de faire des constructions, on va essayer de voir. Après, quand on aura tout, bah, on va laisser tomber à la partie. Et on reviendra dessus quand ils nous auront sorti les tracteurs et tout. On va juste faire assez de moulaille, tu vois, de la moulaga. Histoire de dire que quand la magie sort, si on n'est pas obligé de reset la sauvegarde et de recommencer, qu'on puisse avoir de la monnaie et acheter tout ce qu'il faut, tu vois. C'est 4 le maximum. T'es sûr que c'est 4 le maximum? Fais chier. Il n'y a pas de serveur sur Ranch? Je vais prendre un serveur G-Portal, moi. je ne fais pas peur. Hein. Un petit serveur G-Portal, ça pourrait être nickel. Franchement, ça pourrait être parfait. Bon, en tout cas, merci à tous pour ce soir. C'était sympa. On va aller voir s'il n'y a pas un collègue sur Ranch. Après, il y a de l'optimisation à faire, je pense. Hein. On a deux maisons, on a deux trucs. On a fait un peu à l'arrache. Peut-être qu'il y a de l'optimisation à faire et propre. Mais sachez que, de toute façon, dans tous les cas, on y reviendra dessus. En milieu d'année, je pense qu'on reviendra dessus, ça c'est sûr et certain. Bah, j'ai encore dépouillé une forêt, moi. Encore dépouillé une forêt? Encore? Mais tu fais que ça, mon Dieu. Tu fais que ça, de dépouiller une forêt. Ah bah sur Ranch, merde, dommage, il n'y a pas la caméra. Une invasion de cochons. Ah bah tiens, lui aussi, il est envahi par les cochons. Alors, fais voir. Fais voir s'il a le son, le petit bonhomme. Ça me semble une idée pas dégueulasse. Allez, à tous dans le même lit, c'est parti les filles. Ah, il joue en multi aussi. En plus, il y a de la nana. Ouais, c'est nickel. Allez, on va aller le voir. Sauvegarde, ça c'est fait. Hop, tac. Il va être content. Tac. Et ben voilà. M'abandonnez pas. Restez là. Tac. Hop. Lancez un raid. Bonne nuit à tous. Des gros bisous. Merci pour le soutien. Merci pour les subs énormes ce soir. Merci pour les beats. Non, il n'y a pas eu de donation ce soir. Mais merci beaucoup. Merci énormément pour tout, pour le soutien. On se retrouve dimanche pour du off sur LM Creek. Parce que j'ai du off à faire sur LM Creek. Même Anto, il est pas au courant. Mais voilà. On se retrouve dimanche sur LM Creek. On avancera un peu la partie. Il y a des palettes à vendre. Les palettes sont parties complètement en sucette. Mais je t'en parlerai tout à l'heure. Et on se retrouve après. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Levanta la mano, el pueblo, el mundo. Levanta la mano, mi gente. Oh, levanta la mano, el pueblo, el mundo. Levanta la mano, mi gente. Oh, yeah. Mami, yo soy Big J, The Prince. Me lo veo, my moonlight. Jefferson and B. Let's go.